Et bonsoir Twitch, bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Et alors, du coup, bon, il euh, faut qu'on en parle déjà. Merci beaucoup, Dr. Chips, pour le troisième mois de sub. Euh, Est-ce que je peux le retrigger non, ça retrigueur ça retrigue que dalle, évidemment, parce que c'est pas géré par, euh, par le bot. Trop bien. Bah, tant pis, du coup, il n'y aura pas l'alerte. Merci beaucoup, en tout cas, ça, ça fait toujours plaisir. Euh, mais, euh, mais oui, voilà, par contre, effectivement, tu euh, sais que j'ai un bot, hein, normalement, pour faire les alertouches. Bon, là, il est en retard. Là, il est en retard, je suis d'accord. Mais euh, normalement, j'ai un bot hein, pour ça. <laughs> Qui fait un ping everyone et qui annonce tout le monde sur le Discord que je, que je fais les alertes, enfin que je, fais des, que je pars en live. T'es pas obligé de le faire, moi ça me fait plaisir, mais t'es euh, euh, pas obligé de le faire, tu sens pas obligé. <laughs> non, 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 chut, 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 Pas assez rapide, oui, je sais. Là, bah, l'annonce là, là, est toujours pas partie. Hein. Là, techniquement, le bot il est toujours pas capté que j'étais en live. Hein. Ouais. Bref, euh, du coup sinon, j'ai pas dit bonjour aux autres, bonjour du coup à Claco, à Deathspart, à Dr. Chips du coup, à Nakayebi et à euh, Nolan, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, euh, ce petit début de semaine, euh, nous sommes le 2 mai, et aujourd'hui donc on va euh, reprendre bien sûr le, la tier liste de, des servants de FGO, euh, juste avant, je vais juste faire un petit passage sur, euh, bah, sur le jeu pour farmer un peu l'XP, parce que sachiez vous euh, justement, on a une campagne en ce moment d'XP euh, qui coûte pas cher, donc j'en euh, profite. Donc on va juste faire ça vite fait un petit peu avant de commencer. Euh, Est-ce que je peux mettre le jeu un petit peu de son du jeu quand même pour YouTube, euh, comme la dernière fois Hop, on va ça. un voilà, tout petit peu. Donc ouais, voilà, on va, on va commencer juste par euh, aller chercher quelques, quelques cartes d'XP un petit peu. Je n'ai plus de Pour oh, Kitalter, Alter, hein, il faut monter au Kitalter, Alter, bien sûr. On va Juste commencer par ça et puis euh, et après on partira sur la tier list, ça va en parler. Et puis comme ça, ça me permettra de discuter un petit peu en même temps. Euh, alors, euh, qu'est-ce que oui Donc du coup, euh, j'en profite tout de suite pour donner euh, pour ceux qui l'ont pas vu du coup le petit programme de euh, ce qu'on va faire cette semaine. Euh, donc ce soir tier list. Cette semaine, ça va être très soft. Ce soir tier list. Vendredi, euh, fait Couyem, découverte. Euh, et du coup. Samedi, je sais pas encore si je, fais un, si je fais un live. Je pense que oui, quand même. Po potentiellement sur fait s'il y a matière. Sinon, ce sera sur euh, la tierliste encore, histoire d'avancer un peu. Et, euh, et dimanche, du coup, on reprendra dans un J'espère que vous avez suivi euh, le live hier ou que vous comptez regarder le replay qui est enfin disponible sur YouTube parce que euh, parce que c'était bien sympathique quand même. Salut Sleeping j'espère que ça va bien. Enfin un peu de, un peu de farm d'XP euh, vite fait avec Skady Saira vite, avec Dante Saira et après on partira sur la tier list à proprement parler. Donc voilà, hier on a du coup fait notre première session sur Dangan Rampa. Euh, ma foi j'ai moi j'ai plutôt bien aimé, c'était cool de, re de revenir dans le jeu et tout, et en plus de faire euh, découvrir avec mes potes comment qui, euh, qui pu faire des, des, des réactions à la con. sens spéciale à, à mon frangin qui a fait la, la voix de Monokuma qui était mouah, parfaite. Du coup, franchement, je désolé pour sa voix, mais ça marchait trop bien. Donc, euh, donc voilà, je suis bien content et du coup, on va essayer effectivement essayer de refaire ça une fois par semaine, le dimanche. Ah bah, Monokuma était, était génial, hein. franchement, il était trop bien. J'ai surkiffé Monokuma. Et pareil, euh, Monsieur Soleil, comme il l'appelait. Euh, Kiro, le le, 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 le... le type voyant, là, qui était en mode « Ouais mec, reste cool !» Ah, ils sont encore ils enfin, je crois. Oui, oui, je crois qu'ils ont répondu à des messages, donc ouais, ouais. Ils sont encore vivants. Mais ils sont pas habitués au long live aussi, effectivement. Pour eux, c'est la première fois, donc voilà. Ah non, ah par contre, non, 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 on va pas sur le wiki. Non, tu vas te faire spoil. Ah non, 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 parts, faut pas, faut pas. Attends un peu, profite avec nous. Ah non, non, faut pas aller sur le wiki. faire très attention parce que le wiki, c'est le. Voilà, quelle erreur, tu vas te faire spoil les trois jeux, enfin les, tous, tous les jeux, les animés et tout, ça va être l'enfer. Ah on profite avec nous <laughs> Donc là le replay est enfin dispo sur YouTube, hein, donc n'hésitez pas à aller voir, ou surtout de toute façon il est encore, euh, il est encore dispo à la limite. Voilà et à la limite si tu veux des infos qui risquent de se pas spoil, tu nous demandes et sur le Discord et nous réponds à la mesure de ce que l'on peut dire sans spoil bien sûr. Mais, euh, mais voilà bien, 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 euh, bien content que ça se soit bien passé et, euh, et du coup ils sont chauds pour recommencer la semaine prochaine, ça c'est cool. Par contre, du coup, bah, j'ai toujours pas été voir, mais il me semble pas qu'on ait de nouvelles concernant le, la traduction du deuxième jeu. Donc, il faudra attendre. Mais de toute façon, d'ici, euh... ok, ok. Donc, d'ici, à ce qu'on ait fini le premier Je pense qu'on là, on est parti pour au moins 3 mois de trois mois que de, que de, de toul... trois mois de stream les dimanches où on va faire ça, hein, parce que euh... <laughs> ça prend quand même du temps. Hein. Avant, effectivement, le truc que j'avais oublié, c'est que vu que je suis en New Game euh, je garde les interactions. J'ai déjà fait avec les personnages dans la partie précédente, et du coup, ben c'est compliqué de les reprendre euh, d'un œil nouveau. Donc, euh, du coup, effectivement, les séquences de free time, on va les passer, on va les skip euh, pour notre playthrough. Euh, comme ça, ça accélérera un peu le truc, et surtout, bah, ça évitera que je reprenne des conversations que j'ai laissé que j'ai commencé il y a deux ans, quoi, et que du coup, mes potes comprendraient pas parce qu'ils ont pas eu le début. Ça sera un peu dommage, donc, euh, donc voilà, donc voilà. Eh ben, bien content que ça s'est bien passé. Euh, du coup, alors la tier list, du coup, on s'en était arrêté euh, à, à Ishtar. On va commencer les serments de Babylonia aujourd'hui, notamment. On va avoir quoi après On va avoir du coup, bah, on va avoir Babylonia. On va avoir tout Babylonia. Euh, le, On va avoir Goetia aussi. On devrait faire Shinjuku. Et, euh, et après, il faudra voir jusqu'où on peut aller. Et, euh, sinon, ça devrait le faire. Mais. Euh... Il y a du beau monde encore qu'on va pouvoir classer aujourd'hui. Il y a du beau monde, il y a du beau monde. J'ai refait un peu la tier list, je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai refait un peu la tier list. Euh, J'ai euh, ajouté, du coup, comme j'avais dit, les rangs A, A-, B et B-, histoire d'être un peu plus euh, précis sur le placement des persos. Parce que j'arrête pas, en fait, je me suis rendu compte, mais j'arrête pas de. Un, un, instinctivement de classer en A ou A-, a B ou B-. Donc, euh, donc euh, du coup, là, comme ça, ça sera officiel c'est pas vraiment ce que j'avais prévu à la base, au final ça se met bien. Euh, donc, euh, donc voilà. Par contre, Angra euh, aura toujours son tir à lui, vous inquiétez pas. Euh, Qu'est-ce qu'on a là Ok, ouais, attends. par contre, ouais. On va pouvoir trier Goetia aujourd'hui. On va pouvoir trier, va pouvoir tirer, euh, trier Tiamat aussi. Euh, Hassan Isaba, il est où lui Ah oh, oui, il est là, il est là, est là. Est ça. C'est ça. Ah, il est pas sorti. Ah oui, il est pas sorti pour euh, Babylonia. Lui, il est sorti de manière un peu plus tard. Il est sorti genre au début de l'année d'après. Oh, ok. YouTube hein, comme d'hab. Hein. <laughs> Qui n'a pas le son, c'est dommage. La dure loi de la de la, de la piste 6. Alors petite info YouTube, m'a encore bien cassé les couilles aujourd'hui hein, parce que euh, sachez qu'il y a la, la première séquence du jeu, les 15 premières séquences de Danganronpa, sont strike sur YouTube. Vous savez la, la petite séquence où Nokuma il a tout mis un gars dans une fusée. Là, là c'est strike sur YouTube. Du coup je dois refaire le montage, c'est un fruit de la journée de rendu et de Merci YouTube, un plaisir. Et on va finir ça vite fait. Je pense que je vais faire une comme ça et après j'en fais une de thunes parce que j'ai plus de thunes non plus. Et après on va pouvoir reprendre la tier list. Et puis du coup, ça à la fin de la session, à la fin de la tier list, bah après je pourrais reprendre encore un peu de, un peu de farm. Parce que là clairement j'en ai besoin. T'as le tort à expliquer. Ah, mais bah c'est sûr! C'est sûr, c'est dispo quelque part. C'est sûr! C'est sûr et certain. juste que bah écoute. Euh... Le Monsieur YouTube a décidé que non, c'était. Euh, y a, y a, tous les petits streamers en dessous de. Les petits YouTubeurs en dessous de, de 1000 vues, bah y, Hop Ça dégage, Non, j'en sais rien, mais. Euh, mais ouais. C'est toujours chiant, YouTube, en hein, vrai. Ouais. À cause du YouTube aussi, que je. trouve... À cause du bot, que je ne peux plus mettre les, euh, les sessions karaoké ou les sessions Beat Saber, parce que. Euh, parce que à 100% du temps, elles se font strike, et puis que j'ai la flemme de faire euh, 4 heures de rendu pour aller. Euh, 4 heures de rendu et 4 heures plot, enfin de, de traitement pour les. pour les. Euh, pour les mettre euh, compatibles YouTube donc euh, nick, voilà. <laughs> faudra, être, faudra être présent sur le stream si jamais vous voulez voir du karaoke ou du beat saber, voilà. <laughs> ok, donc ça c'est fait. Je dis j'en fais encore. j'en fais une de. Euh, avec ces 40 AP qui restent là, j'en fais une de, euh, de thunes, parce si vous voyez j'ai genre. 180 000 cupé. Je, je suis pauvre en fait. Vous voulez donc je suis pauvre. <laughs> euh, si je croise une Skadi qui a... Non, si... Là, parfait. Là. Euh, dans cette team-là, voilà. Euh, non, pas ici. Ah euh, si, si en fait. Oh putain, non. Euh, hop là. Justement, ça passe. D'accord y'a pas y a, y a aucun perso qui a un passif fait gagner des QP euh, aux farms hein. C'est incroyable ça. Genre un... Genre tu mèches pas euh, Napoléon, euh, un truc comme ça, euh, non Christophe Colomb et puis en mode euh, quand tu quand tu l'utilises dans ta team euh, par défaut en, en passif il te fait gagner des QP, enfin <laughs> Salut Gandolf, j'espère que ça va bien. Juste tu, un petit peu de farm d'XP et de QP et puis euh, et après on, on va sur la tier list. Euh. J'ai Berserk 1 et Chainsaw Man 3 et 4, hey Nice ça! Moi ouais, j'ai toujours mes euh, 5 mangas qui sont là que j'ai pas lu. Et, euh, et là, du coup, bah comme on va être en début de mois et tout, il y, y a plein qui vont arriver en plus là donc. Faut que je m'y mette hein, enfin, je m'y mette. C'est une des raisons pour laquelle je me dis que samedi je vais peut-être pas faire de live, c'est juste pour rattraper encore mon retard sur plein de trucs. Je voulais regarder le film Bubble sur Netflix hier, enfin, ce week-end j'ai pas fait non plus. Dame, hein. Bonsoir, Isol! Hello, hello! J'espère que ça va bien aussi. On euh, un petit peu de farm là, et puis euh, là, à la fin de cette quête là, on part sur la tier list, parce que j'aurais cramé tous mes AP. Donc voilà. Bon, je vous rappelle hein, que euh, nous avons actuellement sur le jeu la campagne de. Euh... Ah oui, dans bah, Berserk, c'est. Oui, c'est lourd. lourd. Euh, je vous rappelle, nous avons actuellement sur le, sur le game U euh, la campagne de pré-release de l'event de. Euh... De l'event de Fetriquiem Euh. Non, j'ai pas lu Berserk, que je me suis arrêté. Euh, en fait, j'ai lu le, tout le, le, le Golden Age. Et après, euh, j'ai regardé. Alors, honte à moi, mais j'ai regardé jusqu'à là où l'animé du coup en 3D dégueulasse, se passe. Mais après, j'ai pas eu le temps de lire le, la suite. Enfin, j'ai pas pris le temps de lire la suite plutôt. On le comme ça. Mais déjà, déjà de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vu, c'était c'était... pas mal déjà. Hein. C'était pas mal. Hop, donc ça je récupère. Euh, voilà, c'était quoi ces trucs C'est tuer des servants, tu des servants, tuer des servants. Tu servant. Et merde Ça marche pas avec le farm ça. Hein. Ok, hop Et du coup on fera la suite plus tard. Donc maintenant je peux faire ça, je vous affiche ça, ça. Et voilà. Et je vais passer sur une. une... Je vais passer peut-être sur une playlist un peu plus chill. Bon, euh, Night of night, c'est bien, mais. Euh... Ah non, mais je, je suis. Euh, moi, je suis un faux dans tout ce que je fais, de toute façon. Hein. Je, suis, je suis un fake dans tout ce que je fais, de toute façon. Sachez-le. Voilà. Euh... Je suis en train de me faire l'avant-boucle par le géant et Dioscuri dans la Lost Belt. Ah, c'est bon, t'es arrivé jusque-là, pas mal. Alors, écoute, euh, conseil de professionnel euh, le géant et Dioscuri. Euh, pas la team Burn. Comment on l'a passé, déjà, lui On, on l'a passé en trois tries, je crois, et c'était, ouais, avec... Euh, euh, oh, putain, je sais même plus comment on l'a passé, celui-là. Les, les deux premiers géants, on les a passés avec la team Burn. Le dernier, avec Europa, c'était avec la team Full Assassin, euh, avec Cléopâtre, avec Shooten, avec... Euh... Ouais, Talos, c'est ça. Mais quand il est avec Dioscuri, donc le, la troisième fois que tu l'affrontes, du coup. Euh, nous, on l'a... Le, der le, de le dernier Talos, on, on les a vaincus avec genre, Cléopâtre, avec Shuten, avec, euh, euh, avec Hassan et tout, donc c'est pas crème. crème. Les deux premiers, c'est avec la burn Le troisième, je sais plus comment on l'a affronté. Euh... C'était compliqué. C'était compliqué. Genre, euh, je me souviens très bien d'un moment donné où Josuri, j'arrive, je sors au Kusai et puis il me fait un crit et je perds 95% des points de vie. Je suis en mode quoi Pardon Donc, euh, non, c'était compliqué. Euh, alors, ouais, donc voilà, matière liste actuellement, voilà ce que... Putain, ça, j'ai déjà chaud au secours, attendez. Ouais, ouais, normalement un petit euh, un petit guild, ça devrait passer, ça devrait passer crème, normalement. Un ou deux, ou trois, ou sept, je sais pas. Euh, donc, la tier voilà actuellement ce qu'elle donne. Euh, Souvenez-vous, comme j'ai dit, j'ai du coup rajouté les rangs A, A, A-, B, B, B-. Enfin, rajouter les, les plus et les moins, quoi, du coup, ce qui fait enfin d'affiner un petit peu le placement de certains et certaines. Et euh, du coup, aujourd'hui, on a encore un petit, pas mal de monde euh, à classer aujourd'hui. Donc, on va commencer. Euh, direct. Je rappelle, comme ça fait un petit moment, je rappelle qu'évidemment tout ceci c'est une tier liste parfaitement subjective de ma part, c'est mon opinion sur tout ça. Euh, c'est une tier liste qui prend en compte l'appréciation globale que j'ai des persos, euh, donc ça veut dire évidemment leur, euh, leur compétence et leurs skills, c'est une grosse part de mon appréciation, surtout pour les persos que, pas jou que je ne connais pas et que j'ai pas beaucoup joué. Mais euh, après bien sûr il y a le karazhan, il y a l'affect avec l'histoire, tout ça tout ça. Euh, qui peuvent rentrer en ligne de compte aussi. Par contre, c'est Sangzang, Moussashimash pour briser la première barre du géant, et dans le bac, c'est Orion, Merlin, Bunyan. Euh, alors, ouais, péter le géant d'abord, c'est péter la première barre vite, c'est la bonne idée. Le truc, c'est qu'il faut vraiment que tu pètes aussi la deuxième barre très vite, parce que, comme ensuite, il se met à brûler à chaque fois qu'il attaque, et que, il brûle, et que toi, tu brûles à chaque fois que tu l'attaques, si tu vas avec des petits coups ou que tu le laisses en vie trop longtemps, tu vas vraiment, vraiment galérer, quoi. Ouais, Jeanne Sommer, bah oui, forcément, Jeanne Sommer, ça marche très bien, effectivement. Zanzang, ouais, de Musashi, bah, Musashi, de toute façon, c'est obligé. Mash, oui, bien sûr. Euh, bah, que c'est Orion, donc ça peut marcher. Dioscuri, ça, euh, Orion, ça n'a pas de bonus contre Dioscuri, parce que Dioscuri c'est pas un personnage masculin, du coup, c'est aucun des deux, je crois. Ou alors c'est les deux, non, je crois, je crois que c'est aucun des deux. Euh, Merlin, ok. Et Bunyan, euh, pour faire des gros dégâts, j'imagine. Ok, ok, d'accord. Bah, écoute, bon courage, mais euh, ouais, c'est pas un combat qui est, très, qui est évident, évident. Je suis d'accord. Euh, alors, on était où Donc, tac, euh, ouais, on part sur Ishtaru, Ishtar. Ishtaru. Donc, donc, on attaque du coup les servants de Babylonia, de la singularité Babylonia, euh, Ishtar. Alors, qu'est-ce qu'on en pense dire Oh, euh, j'ai pas vu ces. J'ai déjà vu sa troisième association, je sais même pas. Okay. Alors, Ishtar, euh... Ishtar, après Ishtar... il faut se. J'ai pas vu que y avait ici. Alors, euh, je vous avoue un truc. Euh, je ne suis pas très RinFace, personnellement. Je crois que je vous l'avais déjà dit un, un, un jour précédent. Euh, moi, je suis plus Saberface de, pour ma part. Voilà. Euh, RinFace, c'est pas trop mon délire. Je suis plus Cyberface, puis Sakuraface, puis Rinface, en fait. Voilà, concrètement. Euh, en vrai. Du coup. Euh... Et nos buts tout au-dessus, bien sûr. <laughs> et, euh... et du coup, voilà. Donc, moi, personnellement, Ishtar et Aschigal, bon, c'est pas des persos à laquelle j'ai une affection particulière. Euh, en... particulière. Donc, de, de fait, en plus, Ishtar, moi, je ne l'ai pas en jeu, pour le coup. Donc, en termes de gameplay, euh, n'hésitez pas à me faire vos retours dessus, si jamais. Des intrins culottés, effectivement. C'est quelque chose que l'on peut dire. Quelque chose que l'on peut dire. Euh... Après, moi je l'aime bien. Enfin, à part ça, sinon, moi le... le, le la, la... j'aime je, je, ouais, bien la, la tenue, j'aime bien le concept. Euh, L'arc géant à côté, je trouve ça, ça, je trouve ça débile, mais ça marche bien. Team Sakura, ouais, Team Saber, perso. Euh, L'arc géant, je trouve que c'est. Bien sûr, bien sûr. Et Hummus, c'est Saberface. <laughs> Euh, L'arc géant, c'est cool, surtout qu'elle tire, tire littéralement des planètes avec, donc c'est euh, stylé. Euh, voilà, puis le, le, le caractère de DS un peu, un peu baka, euh, quand elle... Quand enfin, c'est vraiment euh, la... Euh, ouais, Tsundere, mais à l'extrême, et qui, du coup, est un peu baka de temps en temps. Team <laughs> fou. <laughs> Évidemment, pardon, pardon, excusez-moi, j'ai oublié la, la meilleure religion, excusez-moi, j'ai oublié ça. <laughs> bien sûr. Donc non, en vrai, Ishtar, c'est un prince que j'aime bien, de, de, que j'aime bien. J'ai pas d'affection particulière... Par, par rapport au fait que c'est une green face, mais Ishtar en, en soi, je l'aime plutôt pas mal. Euh, alors, Quick Arts Arts Buster Buster, on a face à une Archer 5 étoiles euh, qui est, un, il est limité, bien sûr. Moinskill, euh, donc charisma 20% comme d'habitude pendant trois tours. Euh, vous commencez à avoir l'habitude, hein, c'est un peu le, la base. Un personnage qui, qui est de, de base fort, il a un charisma 20% d'attaque pour toute l'équipe en trois tours, de base. un peu le son de la musique. Euh, voilà. Et, euh, et elle poursuit ensuite derrière, elle augmente en plus de 20% les crits de toute l'équipe pendant 3 tours. Donc, ce qui est, du, ce qui est très bien, hein, on va pas se le cacher, c'est très très bien tout ça. Hein, voilà. Deuxième skill, euh, charge de 50% sa barre de NP. Hein, je... Est-ce que toutes les Rinfaces ont une batterie de 50% Il y a combien de Rinfaces dans le jeu apparaît Shigal et, euh, et, et Ishtar Je sais plus, bref, on s'en fout. Euh... Donc euh, ouais, donc, batterie de 50% de base, c'est craqué. Et ensuite, 80% de chance de se donner... Espèce Ishtar, pardon. Espèce Ishtar euh, a une batterie aussi. Ishtar Summer... Effectivement, Ishtar Summer n'a pas de batterie de 50%. Effectivement, tout à fait. Euh... Donc, euh... Donc, euh... donc ouais. Euh... Donc elle a une batterie. Ensuite, 80% de chance soit de euh, se donner invincible et de faire Perse invincible pendant un tour. Donc, alors, autant le 50% c'est bien, autant le fait que t'aies un pourcentage sur le fait de devenir invincible, ça, c'est très chiant. En c'est un très haut pourcentage, je dois bien avouer. Mais des fois, ça peut vraiment te niquer, quoi. Quand te, tu t'attends vraiment à, à, à devenir invincible, et en fait, ah bah non, nique, tu peux pas. Et t'es là, ah, ah bon Merde. Du coup, euh, ça, ça peut, ça peut être chiant. Même si, bon, à mon avis, ça n'arrive quasiment jamais, mais ça peut être chiant. Donc que généralement, bah, Ishtar, tu t'en sers de ce skill, surtout pour la batterie, en vrai, un, autant l'invincible et l'invincible, à mon avis, c'est pas trop pour ça que t'en sers. C'est plus pour la batterie. Et à ce niveau-là, ça fait bien travail. Et ensuite, du coup, euh, alors ça, c'est toujours un skill que j'ai du mal à utiliser quand j'utilise en support, mais parce que j'ai pas l'habitude, c'est euh, une augmentation de 50% d'attaque au tour suivant l'activation de ce skill. Voilà. Euh, donc c'est... Euh, et pendant un tour. un tour Donc c'est euh, un skill qu'il faut... Bien timé, pas évident à utiliser, et par contre quand, vous, quand, quand il sort et que vous faites le NP derrière, ça fait des dégâts monstrueux, 50% d'attaque en plus, c'est énorme, même si c'est que pendant un tour. Mais voilà, ce skill, il est, on l'oublie assez souvent parce que genre, chaque fois on se dit, putain, je savais que j'aurais dû le lancer, mais euh, quand il est utilisé, à bon escient, il fait, il fait beaucoup, beaucoup de dégâts. Incroyable, charge sur la jab pour farm Ouais, bah oui, tu, ah bah oui, oui, tu m'étonnes, hein, avec, la, avec le, le, une batterie de 50% en AO qui fait des bons dégâts, oui, tu m'étonnes, ça m'étonne pas. Et puis du coup, salut uh, euh, Oldwig. Mais, 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 ça des fois, il faut, euh, faut s'en souvenir de ce truc-là. Ensuite, euh, résistance au debuff, forcément, euh, augmentation de ses dégâts crits, c'est une archer, donc elle va avoir tendance à absorber plus d'étoiles que les autres, donc faire des crits, c'est intéressant. Et puis un peu de flat damage et encore PLUS de résistance au debuff, elle ne prend quasiment jamais de debuff au final avec elle. A, elle, a, elle a presque 50% de résistance au debuff passif, quoi, c'est... voilà. C'est vrai qu'il y a 3 tours de cooldown sur le skill 3. Je ne l'avais pas, pas remarqué, effectivement. Merci de me le pouvoir préciser. Je n'ai pas l'habitude de regarder les cooldowns, il faut que je regarde. Effectivement, 3 tours de cooldown sur le, coup, sur le, tour, sur le tour 3. Donc, euh, euh, donc j'imagine qu'effectivement, avec les. Euh, avec les. Alors, est-ce est que les euh, les setup farm sur JP euh, consistent à baisser les cooldowns des skills, justement Pour justement aller chercher les, les batteries, ce genre de choses Peut-être. Je, je, je sais pas trop en fait c'est quoi les, les compos de farm sur JP parce que je me suis pas spoilé trop. C'est ça Ouais, donc effectivement le, le coût du cooldown à 3 c'est incroyable du coup, effectivement. Et, 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 tu, tu peux utiliser ce, ce, ce skill euh, sur les vagues 2 et 3, j'imagine, un truc comme ça, et du coup fais, tu crames tout à chaque fois. Ouais, d'accord, ouais, je, je vois, je vois, je vois. Ok. Et ensuite, du coup, son NP euh, qui a euh, été upgrade 50% de batterie plus moins 2 de cooldown x 2. D'accord, effectivement. Donc effectivement Ishtar, ça marche. Enfin, ça. Euh, et, euh, et du coup, donc, son NP c'est un AoE qui euh, déjà augmente ses, ses performances de buster pendant un, pendant un tour complet, donc pas seulement le, le NP mais également les deux busters qui vont derrière, euh, pendant un tour. fait des gros dégâts aux ennemis, enfin des dégâts classiques, mais du coup avec tous les buffs d'attaque castrain, ça fait des dégâts monstres, et en plus derrière génère 20 étoiles, de. D'aller avec son passif pour crit plus fort. Voilà. On va bah écouter. le euh, ce que je veux dire. Fabrique Busto Bah oui, écoute, hein, on n'a on a pas fini, on a encore euh, du beau monde hein, à, à, farmer, à farmer. Autant de dégâts en eux qu'un perso qui fait du mono cible ou quoi Ben, je peux pas vous le dire moi parce que je n'ai pas assez d'expérience avec, mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Quand tu as, as de base 70% d'attaque supplémentaire et. Tu multiplies dessus un hein, 20% de buster en plus. Euh... Oui, c'est pas déconnant. C'est pas déconnant. Voilà. Et euh... ouais, donc... Euh... Donc, euh... donc, donc elle, euh... je... elle... Alors, forcément, elle part au moins en A. Euh, maintenant, est-ce qu'elle va aller jusqu'au... Je pense pas qu'elle ira en X, parce que, encore une fois, j'ai pas vraiment d'affection particulière pour le perso. Mais je pense qu'en un bon A+, euh... un bon A+, je pense que c'est une large majorité. Hein, en vrai. Hein. J'ai mis Gilgamesh en A, je pense que euh, je pense que Ishtar, elle est ju juste en dessous, mais euh, à peine. Hein. Et encore, euh, l'argument peut se valoir de quel est le meilleur entre les deux. Hein. Donc voilà, un bon A+, plus. Je pense que c'est large mérité pour Richter. Hein. Donc j'aime pas vu. Euh, en termes de génération de NP, c'est pas, c'est moyen. Et en termes d'étoiles, ça pas l'air incroyable. Par contre. Ouais. A plus X ouais c'est ça. <laughs> a plus plus X moins voilà on va commencer à faire des A plus plus X moins ça va être terrible. Euh, ok suivant Enkidu. ah my boy my boy Enkidu. j'ai un P3 du coup et euh, Fun Fact mon premier euh, mon, mon premier euh, ma première, mon premier exemplaire de je crois c'est euh, un pote qui me l'a poule en disant vas-y tiens filme moi ça je vais le le poule il a fait tête poule ça me l'a sorti je fais vas-y merci beaucoup <laughs> Euh, Kidou, Jésus-Christ aussi de son nom, ou euh, C.C. selon les, euh, si les, si les fanarts euh, ont un bon boulot ou pas. Euh, putain, il a des lunettes en plus. Comment ça t'es pas fan Il a des lunettes. Il a des lunettes, regarde-moi ça. <rire> <rire> euh, écoute, euh, oh, j'aime beaucoup cette nuit Je la vois pas souvent, nuit 3 Troisième Ascension, mais euh, voilà. Not gay fits clay, effectivement. On n'oublie pas, on n'oublie pas. Gender Now, gender Now. Tant qu'il y a un chien pour master, c'est vrai ça Oublié, c'est vrai ça Horrible lunette. Quoi 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 <laughs> euh... Ah dans Strange Fake, d'accord, c'est parce que j'ai pas pas lu Strange, j'ai pas lu Strange Fake, j'ai rien lu de ce fake, de toute façon. Vous le savez, moi je suis une fraude dans tout ce que je fais, j'ai rien lu de toute façon. <laughs> On semble un peu un poireau bas blanc et cheveux verts. oh non, maintenant maintenant que tu me l'as dit, je, peux, je, je ne peux plus. Je suis obligé de le voir à chaque fois que je vais regarder ce perso maintenant. L'enfer. Merci beaucoup. Ah <laughs> oh non. Non <laughs> en euh, face du coup. Alors euh, bon. bon. En vrai. Le fait qu fasse, que certains fanarts le fassent, pas, le fassent ressembler à, à CC de Code Geass <laughs> aide un petit peu à l'appréciation la, du perso, je ne vais pas le mentir. Après, en soi, euh, bon, le, en termes de design, bon, c'est Jésus-Christ. Je n'ai voilà, pas, voilà. pas grand-chose de plus à dire dessus, c'est très simple. C'est efficace, mais c'est très simple. pas grand-chose à dire de plus dessus. Euh, Quick, Quick, Quick. Artbuster Art Buster qui, du coup, est un lanceur qui a... T'as une génération d'étoiles pas si ouf que ça, mine de rien. Enfin, si, quand même. C est, c est, parce que le triple quick, ça aide être bien, mais on euh, a pu s'attendre à mieux, je pense. Et en génération de NP, ça va. C'est pas mauvais non plus. Euh, le seul problème, c'est que vraiment, des fois, t'as qu'une seule carte hard. C'était un peu dégoûté, quoi. Mais il y a 5 coups sur sa hard, donc c'est pas mal quand même. Euh, alors, alors là. Pff, alors là. Alors, ça, déjà, rien que ça, c'est craqué. Euh, vous savez déjà, on avait des persos qui avaient mana burst de base et qui, dans leur seul effet, c'était mana burst. 50% de buster pendant un tour. Très bien. Donc ça, au moins, c'est fait. À côté de ça, lui se permet en plus d'avoir un mana burst pour, un, pour une deuxième carte à côté. Donc, soit sa quick, soit sa heart pendant un tour également. Donc, bon, effectivement, si c'est sa Arts, eh c'est compliqué parce que du coup enfin c'est compliqué non pas tellement parce que du coup tu peux vite recharger ton NP si tu tapes avec mais, euh... mais si c'est ça hard c'est que as... si c'est si ça tombe sur sur hard c'est que t'as que des quicks par exemple dans ta chaîne t'es un peu dégoûté au pire mais dans ce cas-là bah, c'est bien juste un mana burst et c'est déjà pas mal tu vois donc euh... enfin c'est déjà très fort donc du coup déjà ce, ce skill 1 est très est assez craqué hein, je j'ai précisé. Euh... Et surtout, en plus, si jamais ça tombe sur. Si jamais le coup parfait c'est Buster Quick, alors là tu fais NP Buster Quick ou NP Quick Quick et là c'est fini, le mec tu fait des dégâts insane. Deuxième skill euh, qui du coup au départ faisait du coup, euh, enlever 50% de chance de crit pour l'ennemi en cible pendant 3 tours euh, et en plus retirer ses buffs d'évasion. Donc c'était bien parce qu'au final, en vrai, 50% ça commence à devenir intéressant comme, euh, comme des buffs. Ah Ça commence à devenir intéressant comme des boeufs. Trois tours en plus, bon, ok. Euh, on a des persos qui font beaucoup moins que ça sur un NP, hein, je rappelle. Euh, et, en plus, bon, et la niche de retirer les boeufs d'évasion, ça n'arrivait pas souvent, mais quand ça arrivait, tu étais content. Euh, ça a été buffé pour un truc dont il avait grandement besoin, c'est la Hard Defense. Donc maintenant, ce skill lui donne en plus évasion pendant un tour. Donc ce qui fait qu'il est beaucoup plus compliqué à tuer. Et donc. Et what the fuck, et ce truc là, ce, ce truc là là, what the fuck is that, euh, ce troisième skill, soigne de 10 000 points de vie un perso qui en a 15 000, voilà, et ensuite il re retire ses debuffs. Voilà, donc entre ces deux, ces deux skills là font que ce mec est quasiment intuable, hein, c'est un tank à lui tout seul, hein, clairement. Euh, bon par contre, cooldown de 10 tours, parce qu'évidemment il faut équilibrer ça, hein, tu, tu te soignes pas de 10 000 points de vie tous les 3 tours bien sûr. Euh, donc, euh, donc voilà, mais, euh, mais bon, ça fait du bon il quand même, et, es, et quand à ces deux-là, t'es bien content. Le Enkidu, il survit généralement la plupart du temps. La plupart des combats, il survit. Euh, seul passif, c'est résistance ou débuff, bon, très bien. Et euh, son NP derrière, c'est du coup euh, NP Single Target Buster, qui euh, du coup bah, fait des dégâts à un hein, seul adversaire, euh, fait. 200% de dégâts supplémentaires contre les menaces contre l'humanité, donc avec son un buff qu'il a reçu récemment. Euh, réduit, pardon, réduit de 30% minimum les dé la défense de l'ennemi pendant 3 tours complets. 30%, c'est beaucoup plus que la plupart des, des diminutions de défense qu'on voit dans des skills ou des, ou des NP. Euh, et, euh, et en plus de ça, si, si vous avez la chance d'affronter un ennemi divin, ça le stun pendant un tour. Et euh, des ennemis divins, la plupart des boss du jeu, effectivement, on les croise. Et euh, des menaces contre l'humanité, pareil. Il euh, y a certains boss du jeu, notamment ça en est, notamment bah <laughs> les arbres du vide. Hein, je dis ça, mais je dis rien. Les arbres du vide, c'est des menaces contre l'humanité. Donc euh, ça vous aide aussi là-dessus. Euh, je me demande même si Gorgon, c'est pas genre Divine plus. Euh, si, ça va être Gorgon, c'est Divine plus menace contre l'humanité. enfin Il y a, y, a, y a même des, y a des persos qui, qui, qui cumulent les deux, hein, clairement. Donc euh, voilà, Enkidu, c'est un bon boss killer, littéralement. Encore, comme je l'ai dit en plus, il a beaucoup de PV, il survit, euh, il fait des bons dégâts. Euh, donc, euh, donc ouais, Enkidu, euh, pas mal, pas mal du tout. Euh, je serais même un tout petit peu d'expert pour le coup même moi je m'en suis je m'en suis je m'en suis beaucoup servi d'Enkidu. Je serais juste un tout petit peu plus critique sur euh, justement sa capacité à générer des étoiles ou du MP. Généralement j'ai du mal à charger sa barre de MP justement euh, pour euh, pour l'utiliser correctement parce qu'une seule carte Arts mine de rien c'est compliqué. Donc euh... donc voilà je vais tempérer un petit peu en disant qu'effectivement ça ça peut être gênant de temps en temps euh, et euh, ça et le fait qu'en fait le, le fait surtout que il a un euh, il a son seul buff en fait de dégâts ne dure qu'un seul tour et après il est un peu à poil littéralement euh, sur, euh, il a aucun buff d'attaque supplémentaire quelle reste. indignité <laughs> il me fait plus qu'on <laughs> <laughs> euh, il m'a Attends, je vais baisser le son du bot c'est vrai que d'habitude je monte le son du bot quand j'ai un jeu qui tourne derrière sauf que là c'est pas le cas donc du coup ça m'a un peu perturbé mais euh... la commande code Merlin sur Enkidu, ouais ouais oui oui il y, a... y a des choses pour l'aider mais euh, ça reste pas simple et encore une fois comme j'ai dit euh, il... son seul buff d'attaque ne dure qu'un seul tour après ses dégâts sont pas incroyables vu qu'il a genre trois quicks et les quicks c'est pas les cartes qui font plus de dégâts donc donc bon c'est euh... je vais euh... voilà je vais tempérer un peu en mettant en A, tout en une fois comme j'ai dit le, ouais non mais le Direct. Euh, comme j'ai dit en plus, euh, le, le design est bien, mais je le trouve pas incroyable non plus. Et comme euh, effectivement le, le disait Desperte, on a, hein, il a été dans, euh, il a été dans euh, la, dans la, dans Babylonia, mais c'était pas vraiment Enkidu, c'était Kingu, donc bon c'était voilà, pour vendre le perso c'est compliqué. Donc euh, donc voilà, je, je vais le laisser là, je pense c'est pas mal de base il voilà, n'a pas une il alors j'ai pas trop l'habitude de regarder les stades d'attaque mais c'est vrai que de base il a pas une, une stade d'attaque élevée comme il a qu'une seule carte booster qu'il a trois quick bon c'est voilà en termes de dégâts haute que son np haute que ce, le tour où il fait ça euh, c'est pas dingue voilà pour d'expérience je peux le dire c'est pas dingue mais par contre contre les boss c'est une dinguerie passons ensuite à Quetzalcoatl. j'ai bien prononcé c'est ça. La mamma, la mamma. Alors, il y a déjà du rang ex qui, tire, qui, qui part, très bien. Alors, euh, la mamma, la mamma, la mamma. Bah écoutez, un design de très maya, hein, j'ai envie de dire, hein, très sec plutôt, euh, très coloré. Hein. Euh, moi, je suis pas, pas le plus fan, notamment du, on va du, du, du on va dire. -tête, on va dire. Mais euh, par contre, les péjatons sympa. Euh, le a tenu, bon, est, il vaut ce qu'il vaut. Mais euh, ouais, c'est pas l'esthétique le, qui me parle le plus, euh, le, le, les costumes aztèques. Rider 5 étoiles, c'est avant Story Locked, je rappelle, attention Story Locked. Donc vous avez besoin de poules sur une bannière de l'histoire ou une manière dans laquelle elle est en rate top pour euh, espérer l'avoir. Quick, Arts, Arts, Buster, Buster. Et effectivement, elle va souffrir un peu de la comparaison avec Ozymandias. Ozymandias que j'avais mis en X je crois, hein, attends, si je reviens, euh, matérialiste euh, Ozymandias, moi je l'ai mis en X hein, parce que, bah, parce que duo, donc voilà. Elle fait des crits de malade, si, si si si, tout à fait, tout à fait. Ça reste un Rider, Rider va absorber beaucoup d'étoiles et elle va faire des crits euh, sympas, donc, on va en parler. quick Arts, art Buster Buster, donc... Régène de, de NP pas dégueu, surtout quand t'es quand t'es crit, quand t'es crit. Quand crit. Euh, génération d'étoiles pas ouf, par contre. Euh, premier skill, du coup, Charisma plus, qui donne 21% d'attaque à toute l'équipe pendant 3 tours. À quand le duo tiers bah, Je ne peux pas faire un duo tiers parce que sinon il euh, faudrait que je remonte euh, Mephistopheles dedans. Et, euh... Non, bah, Mephistopheles, on va le laisser en C. Hein. Je suis désolé, mais. Euh... <laughs> je ne peux, peux pas faire un duo tiers, hein. malheureusement. Sinon, ça impliquerait de mettre Mephistopheles au-dessus des autres. Ça, c'est non. Ultimement, pas tardant en fait... ah, J'avoue, s'il vous plaît. Euh, donc, euh, donc, déjà de base, bon bah, encore une fois, un charisma rendra plus, c'est très bien. Et ça a, été, ça a été upgrade ou ça va être upgrade, je sais plus, je crois que ça a déjà été upgrade. Euh, pour du coup, faire un charisme. Non, ça n'a ça pas encore été upgrade, ça je crois. Euh, charisma, du coup, plus 25 étoiles géné générées. Euh, donc, ce qui va aider justement à taper des crits de malade, justement. Euh, deuxième skill, c'est euh, Guts. Sur un allié. Un gut ciblable sur un allié, donc pareil. Si pour vos compos, vous voulez faire survivre Arrache, vous pouvez l'utiliser. Voilà, et augmente la, les performance Buster de cet allié de 30% pendant trois tours. Très propre, très très propre. Ça, notamment sur l'event, justement de la, de la tour d'Amazon, là, ça c'était très 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 utile. Très utile. Donnez une animation update, j'avoue, 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 j'avoue. Et enfin, du coup, son, euh, son skill 3, ouais, euh, 7 tours de cooldown, oui, bah, généralement, les, les, euh, les, les skills qui donnent Guts, généralement, ont des cooldowns assez longs, effectivement, euh, bah, parce que le Guts bah, non, va, généralement, rester assez longtemps, même si là, c'est 3 tours, 3 tours, donc, en vrai, ça aurait pu, ça aurait pu passer à 6 tours, en vrai, hein, mais bon, mais bon, c'est comme ça. Euh, et enfin, son troisième skill qui est assez, assez fort, mine de rien, ça augmente sa propre absorption d'étoiles de, de 600%. donc Elle va faire Eva crit. Euh, augmente de 50% ses crits pendant un tour. Et en plus, petite batterie de 30% de NP, c'est toujours ça de prix. Donc, effectivement, euh, elle a déjà une absorption d'étoiles qui est assez vénère en tant que rider de base. Donc là, vous êtes sûr qu'Eva crit. Eva crit super fort. Et en plus, elle cherche son NP parce que pourquoi pas Lucha libre! Euh, résistance au debuff, très bien. Résistance au debuff, encore plus parce que c'est une DS et un peu de flat damage en passant. Et 12% de euh, carte quick améliorée. C'est con, elle a qu'une seule quick, c'est dommage. Sur NP, ils ont inventé une prise de catch. Ça... <laughs> oui, non, mais oui, oui. Ils se sont fait plaisir avec euh, les NP de, de Kedzaquat. Elle fait une grosse crise mais pas sur la durée, contrairement à Ozzy. Oui, oui, c'est ça. Les L, c'est bah, un peu le même principe. Après, euh, attends. Euh, elle, elle, en fait, elle offre pas tout à fait le même type de, de le même type de support ou de sustain que euh, que Ozymandias, Ozymandias lui, c'est vraiment, euh, il va te faire des du, du, du continu. Enfin, ouais, c'est ça. Il va vraiment te faire du continu, du dégâts continu avec euh, pendant pendant trois tours. Alors qu'elle, elle va vraiment faire un burst, notamment pendant un tour avec son crit et son NP. Euh, mais euh, son NP, rappelle-moi, c'est quoi? Oh, quoique, en vrai! Oh, quoi en vrai! C'est vrai qu'en vrai, ils ont à peu près le même rôle, en fait, c'est vrai. c'est vrai, Parce que le NP fait à peu près la même chose. C'est dégâts single target, fait NP seal, burn l'ennemi pendant 5 tours. Donc, ça, à la limite, c'est accessoire. La team burn, peut-être, on ne sait pas. Euh... Donc, ça fait à peu près la même chose. C'est moins utile, du coup, que celui d'Ozimandias, qui, lui, du coup, réduisait la défense de l'adversaire. Euh, elle derrière, elle va crit, mais après son tour de crit, bah elle a moins de. Elle n'a pas vraiment de. Elle plus de sustain. Mais par contre, elle a une batterie de NP, ce que Ozzy n'a pas. Pardon, si, c'est Ozzy A, il a une batterie de NP sur tout le monde, bien sûr, qu'est-ce que je raconte Évidemment que si, si, je si, si. euh... Ouais, là, il y a un peu de hard defense qui est, qui est possible. Voilà, c'est une Ozzy qui fait 2-3 autre... trucs différents. Euh, ouais, au départ, elle commence avec un charisme à part. Attends, j'avoue, en fait, c'est. Ça commençait très très proche de Ozzy dit à 120. Il avait parlé le même charisme. Il changeait. Il est devenu quoi le charisme de Ozzy déjà quand, tu, quand il a eu son buff Attendez une seconde, j'ai oublié. C'est vrai qu'il est devenu un truc craqué, mais. Euh... Il est devenu quoi de Go le, le, le Ozzy C'est. Bon, ouais, d'accord, okay. <laughs> ok. Ok, ok. Ouais, en fait, c'est ça. C'est euh, C'est Ozymandias qui fait moins de sustain. Ouais, Dieu soleil, c'est ça. C'est Ozymandias qui fait moins de sustain, mais plus de dégâts sur un tour. Voilà, c'est plus du burst, moins de moins de... moins de de dégâts dans la durée. Mais plus du burst en une fois. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Euh, effectivement, je préfère quand même Ozymandias à ce niveau-là. Euh, mais euh, un bon après bon c'est elle donne Guts, elle donne buster plus euh, elle fait du elle fait des bons crits après je suis pas fan de son design je vais la laisser en A écoute je vais la je suis pas fan de, du, du design mais voilà, c'est quand même des bons c'est quand même des bons skills gars là hein. il a rien mais c'est vrai que clairement comparé surtout comparé à Ozymandias full power euh... compliqué à moins ou à non je vois à moins vraiment c'est les persos dont j'aime pas... Donc, soit je, je suis pas fan du design du tout, genre euh, les Jacques, les... Euh, les... Euh, je sais pas, les... Bah, les Chloé. Les Jacques, Chloé, euh, Chiro... Je... Enfin, soit les persos que j'aime pas de façon, parce que... De, de, en mode, de, je les aime pas, tout simplement, mais je suis obligé de reconnaître qu'ils sont forts. Soit les persos que, justement, j'aime beaucoup, mais qui sont pas si forts que ça. Genre, les Kojiro, les Genki, les Beowulf... Euh, voilà. Donc, euh, elle voilà, ah, c'est un peu des deux. genre, j'aime bien, enfin, j'apprécie, et elle est très forte, donc voilà. Gilgamesh Caster, que j'ai maintenant NP5, du coup, qui même, que j'ai techniquement même NP6, parce qu'il m'a spook euh, la dernière fois euh, sur Dioscury. Euh, Gilgamesh, du coup, Caster... Bon, on va se le dire tout de c'est un excellent perso celui aussi. De toute façon, il y a plein de la plupart des persos qu'ils ont sortis pour Babylonia étaient vraiment très très forts, en vrai, hein on va pas se le cacher. Euh, bon après, je dois dire que je suis pas super, euh, super fan de... Pour le coup, je bon, trouve ça bizarre qu'en caster, il a une énorme hache. Voilà. Par contre, en support, il est génial, c'est un, un excellent personnage de support, ça je suis d'accord. Par contre, je, je trouve bizarre qu'il a une énorme hache en tant que caster, quoi, c'est... Ok. Euh, bizarre. Par contre, par contre, Monsieur le Président, M. el Présidente, bien sûr. Astra et Landling CE 2030 et landing au Malgouane de Critter. Ah oui, non mais oui, mais là, on avait fait la même réflexion, la même réflexion avec, euh, avec euh, Lancelot Saber aussi. Mais il euh, y a... En fait, à un moment donné, je j'avais testé une team, c'était quoi C'était Lancelot Saber, Marie-Antoinette Caster et Gigamesh Caster. Pour booster les crits de Lancelot. Ça marchait plutôt bien, ça marchait plutôt bien. Après le problème c'est que Antoinette bon peut... c'est un peu la troisième roue du carrosse quoi. Je vous fais partie des 4 étoiles qui méritent d'être 5 étoiles c'est un grand caster n'empêche respecter le ah bah... ouais 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 bah, écoute après bon bah, si les 4 étoiles ça veut dire que plus de gens ont l'occasion de mettre la main dessus donc c'est pas c'est pas acheté non plus quoi. <laughs> oui non mais oui oui chacun c'est euh, chacun c'est trop bien sûr mais euh, bon voilà c'est toujours chiant <laughs> après bon ça fait un harpisme quoi. voilà. Hein. <laughs> Et mis NP11 j'avoue, <laughs> c'est compliqué. Euh, donc, euh, Mr. El Presidente, où est-ce qu'on va le mettre euh, du coup Siduri dans sa... On a pris full. Euh, donc, Caster 4 étoiles, euh, qui n'est pas story locked. Zipfried NP8. <laughs> Soumanaï. <laughs> Quick Arts, Arts, Arts Buster. 5 coups sur sa Arts. Euh, ah putain ils nous ont refait le coup ils nous ont le coup de la de la charge de la charge de NP différente entre si il tape sur ses sur ses cartes normales ou si il tape sur son NP <laughs> parce que son NP fait genre euh, 10 coups donc euh, s'il l'avait laissé tel quel ce euh, serait ça serait insane donc ils l'ont un peu baissé sur le, le taux de régène de, 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 de NP sur le fin de le taux de régène de de, de barre sur le NP sinon c'est très craqué tu louperas pas connard <laughs> c'est exactement ça et pourtant et pourtant il s'en sort bien déjà pour le faire hein. Enfin, Peut-être pas pour loop lui-même, mais euh, avec un peu d'aide, hein, ça peut, ça peut. Je voir avec Castoria si ça suffit ou mais. Euh... Donc, euh, énormément de régénération de NP du coup. Génération d'étoile pas dégueulasse non plus, notamment grâce à ses skills. Et euh, Donc on va voir ça tout de suite. Premier skill. Augmentation de 100% de la génération d'étoiles de, de toute l'équipe pendant 3 tours. Je crois pas qu'il est possible de loop avec, Astor avec Castoria. Ah ouais Malgré les 10 coups et tout Bon, ce sera à tester, de hein, toute façon. Hein. À tester, bien sûr. Euh... Ou à mon avis, il y a plus simple. Pour loop avec Castoria, avec des casters, à mon avis, il y a plus simple. Au parascope Ok. Ok, okay d'accord. Mais euh... imagine la ah, version Archer loop mieux que la version caster. <laughs> C'est pas. Oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. <laughs> Euh, donc ouais, premier skill, rien que ça, ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est justement pour les équipes... Euh, euh, oh, nouvel abonné sur YouTube, merci Kowalski pour l'abonnement. Euh, je voulais dire, oui, euh, -ce que je voulais dire oui, donc ça n'a l'air de rien comme ça, mais euh, doubler la génération d'étoiles de toute l'équipe pendant 3 tours, euh, et ben c'est foutument fort, en fait, sur les, notamment bah, dans les teams où on utilise Gilgamesh Caster, c'est-à-dire les teams Arts Crit, Doubler la génération d'étoiles, c'est fort. Mais rien ça fait que vous pouvez... vous pouvez générer des étoiles sur des cartes arts. D'où depuis quand Comment ça se met Comment ça marche Mais oui, tout à fait c'est possible. Ben, un perso avec lequel c'est vraiment cool de loop. C'est cool de loop avec tout le monde, ouais. <laughs> non, ça marche pas. Damn it. damn it. skill 1 avec son art chain. Ouais, non mais c'est ça. C'est ça. C'est son euh... skill 1 générer des étoiles sur des cartes Arts. What the fuck Dioscurie avant l'heure, c'est ça. C'est ça. Ensuite, skill 2. Bah, Charisma, 21%. Charisma A+, toujours très bien. Et son skill 3, son meilleur. Quoi que... Est-ce que son meilleur Je ne sais pas. En vrai, vrai j'hésite. Hein. Les deux sont bien. De euh, toute façon, généralement, vous claquez les trois en même temps. Hein, <laughs> euh, de toute façon, généralement. Augmentation des cartes Arts de toute l'équipe de 30%. en bon, 3 tours. Et augmentation de 30% des chances d'infliger de, des debuffs... Euh, de toute votre équipe pendant 3 tours de 30%. Ce qui est bien c'est que généralement, les... vu que les, euh, les équipes quick ils se basent surtout sur faire des crits et les équipes buster se basent surtout sur le faire soit de faire des crits, soit de faire des dégâts bourrins, les, 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 les team arts, elles aiment bien justement foutre des debuffs dans leur NP. Euh, donc du coup, bah ça, ça aide beaucoup, encore une fois. Ouais, il n'y a pas aggravant en servant. Personne ne le saura jamais. <laughs> si vous avez la réponse, si quelqu'un a demandé à Delight Wars à, à l'époque, euh, voilà. C est, c est jeu de la merde. <laughs> voilà, c'est une réponse valide aussi. <laughs> Ça peut arriver un jour, on sait pas, faut jamais en dire jamais, hein. écoute. Sur un événement de la Saint-Valentin... Non, non, non. <laughs> Peut-être il la garde pour plus tard, je sais pas. Hein. Caster, Skill 1, il y a NP avec Hokai, au moins 80 cristaux. Non mais c'est ça, c'est ça, ça. Il y a, tu, enfin, tu, tu, tu ça, tout, toute ta team devient une génératrice d'étoiles, quel que soit son, son, son type de carte. C'est incroyable. Sauf si, ça aussi, enfin c'est des, bus, des busters qui font que un coup, mais bon, à partir de là après il faut, faut, faut le chercher quoi. Il attend son de gloire, c'est ça. Euh, voilà, donc déjà très très bien. Augmente sa probabilité d'infliger des debuffs de 10%, parce qu'on le, on le verra sur son NP, ce sera important. Augmente ses performances arts de 10%, parce que pourquoi pas, histoire de continuer. Et euh, un peu de dégâts flat en passant. Et du coup, son NP rend B. Euh, Awe euh, arts à 10 coups. Donc, on a déjà statué tout à l'heure sur le fait qu'il n'était pas possible de euh, crit avec, enfin de loop avec. Euh, réduit la défense des ennemis pendant, de tous les ennemis pendant 3 tours. Euh. Merde, avait Zanzo, je t'ai pas vu, attends, bon Ah, pardon, pardon, excuse-moi Zanzah, je, je t'avais pas vu, excuse-moi. Euh, salut, salut. Euh, en plus, je t'ai répondu, mais en fait, le truc, c'est que. En fait, je vous réponds, mais ça m'indique pas, en fait, euh, si c'est la première fois que vous parlez aujourd'hui ou pas dans le chat. Donc, c'est pour ça que c'est bizarre. Moi, euh, ce que je vois généralement, c'est quand c'est la première fois qu'un quelqu'un parle dans le chat tout court, de ever. Mais euh, quand c'est la première fois de la journée ou du stream, je le, pas, ça ne m'indique pas. Et du coup, moi, des fois, de, avec les couleurs qui se ressemblent, je perds un peu le, le fil. Donc, désolé. Mais euh, en tout cas, bienvenue, bienvenue Zanza. J'espère que ça va bien. Euh, alors, donc ouais. Euh, nous, on n'a pas eu le. Je ne suis pas sûr qu'on ait eu l'upgrade le, 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 là. Ça ne me dit rien, ça. Nous, on a celle-là, je sais. Celle-là, je ne suis pas sûr. Ou dites-le-moi si c'est le cas, mais. Euh... Pas qu'on ait upgrade encore, hein, parce que ça me paraît bien vénère, mine de rien. Hein. Réduit de, du coup de, de, de 20% minimum la défense de tous les ennemis pendant 3 tours, après les dégâts. Augmente les, le, la, la défense de toute l'équipe. C'est ce qui me semblait. Hein. Ouais, à la Nive. Nice. Euh, augmente les, les, la défense de toute l'équipe de 20% pendant 3 tours. Ok, cool. Et du coup, avec son, avec son upgrade, donc déjà les dégâts sont boostés par rapport à avant, et surtout. Ça augmente les dégâts crit de toute l'équipe de 30% pendant 3 tours. Euh, donc, effectivement, euh, c'est encore plus pété euh, comparativement à ses skills et euh, au type de compo dans lequel on veut s'en servir. Du coup, effectivement. Effectivement. Donc, euh, monsieur Gilgamesh Caster, eh ben, écoute, euh, écoute, écoute, euh, je pense que tu mérites bien ton... Ton X, hein, je pense qu'on peut, on peut se le caler là. Hein, ouais. Hein. Euh, RENX ou on plus. RENX ou on a plus. X moins. Oh putain. <laughs> merde. Ouais, mais assez fort. Je pense qu'on peut le mettre en EX en vrai. Toutes les équipes dans lesquelles je le mets, il marche bien. Il est moins chiant à drop que pour le. Ouais, ouais, ouais allez, vas-y. Par en EX, c'est très bien. En vrai, à chaque fois que je m'en sers, je suis content de lui, donc euh, let's go. Alors, euh, spoiler, Medusa, Lancer, elle, elle arrivera pas. Entre A et X-. Mais oui, mais c'est ça, c'est le même problème que Ishtar Fichier euh, Bon, spoiler, Medusa, elle arrivera pas en X, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, Medusa Lily. Donc déjà, il y a un de ces deux mots. Y a, y a, dans, dans cette phrase, il y a un de ces deux mots déjà qui devrait vous mettre la plus à l'oreille sur ce que j'en pense du perso. Voilà, déjà, euh, je pense que je n'ai pas besoin de rajouter grand chose. sur SR le plus sous côté du jeu, Médusa rend plus plus. Alors, euh, D peut-être, mais, euh... <laughs> mais D quand même. <laughs> Euh, non, j'aime pas du tout. Euh... Je... Encore une fois, je suis désolé, mais non. Il bon. dit non. Voilà. Oui. Non, c'était pas Medusa. Le... le mot piège, c'était pas Medusa. Ouais. <laughs> Loli moins. Voilà, c'est ça. <laughs> Anti NP5. Je crois que je l'ai. Je crois que je, je, crois que je NP5 aussi celle-là. Hein. Je crois qu'elle a ma spook... euh, Peut-être. Peut-être NP4. J'ai peut-être NP4 de mon côté. Mais elle m'a spook un nombre incalculable de fois aussi hein, de mon côté. Donc, euh... ce qui n'aide pas vraiment à l'appréciation, je ne vais pas vous le cacher. Quick, Quick, Art, Art, Buster pour un Lanceur 4 étoiles. Euh, et du coup, je m'en sers quasiment pas en vrai du perso. Donc en vrai, je sais même plus trop ce que ça donne. Euh, ça m'a l'air entre charge de Np plutôt moyen plus et charge de, et génération d'étoiles. Ouais, moyen plus aussi aussi. J'ai l'impression. Travis Skill. Petit mec, Medusa Lily Théno c'est marrant. Ah bah c'est marrant, surtout contre, contre un, certain, euh, un certain boss au début de Camelot, ouais, effectivement. Ça marche plutôt bien. Premier skill, euh, chance de charmer un adversaire masculin pendant un tour jusqu'à 90%. Même pas à 100%, putain. Euh, et du coup, ah bah voilà, du coup ça a été amélioré à 100% pendant un tour et ensuite réduit de 20% la résistance aux cartes quick de cet adversaire pendant 3 tours. Ok, ça c'est cool. Là, ça marche pour tous les ennemis, pas, sur, pas seulement les, les masculins. Euh... Elle m'a tellement aidé au début avant d'avoir quatorze, mais on me rend compte qu'elle était pas ouf au final. Mais c'est ça. ça. Quand t'as que ça, bah tu t'en sers parce que nécessité fait loi. Mais bon, dès que tu peux, tu changes quoi. <laughs> Déception sur 20 Ouais mais oui, c'est ça. ça. Donc euh, donc ouais bon déjà ça ok. Donc ça, heureusement que ça a été buff à 100%, c'était inadmissible que ça reste à 90%, et bon, ça c'est pratique, ça marche surtout. tout. Euh, augmentation de son attaque personnelle de 30% pendant un tour, donc un tour de burst, quoi, très bien. Et ensuite, Guts est invincible pendant une attaque. Et, alors ça, c'est généralement les gens ont tendance à l'oublier, c'est euh, une attaque sans durée de cooldown. Euh, elle, euh, voilà, elle peut, elle peut garder ce, ce attaque, elle peut le garder très très loin. C'est Steno 90, mon dieu, mais pourquoi Pourquoi tu as fait ça en... En... en vrai, encore une fois, Steno, maintenant, avec les buffs qu'elle a eu maintenant, euh, depuis, elle est jouable. Elle est jouable dans certaines compos, euh, notamment avec les alliés divins et tout. Ça peut passer, mais euh, bon, elle revient de loin, quoi. Elle, de elle revient de loin, quoi. Ah oui, j'ai changé un peu l'alerte la, la, de Discord, du coup, pour mettre tous les liens sociaux. Voilà. Donc évidemment, y a le, maintenant, il y a le Discord, il y a le YouTube, il y a le Twitter, n'hésitez pas de ça. Je regrette. Ah bah, oui, tu m'étonnes, <laughs> tu m'étonnes, je regrette. <laughs> euh... Donc ouais, euh, invincibilité pendant une attaque, euh, donc sans durée de, de tour, ça, c'est intéressant. Et après, par contre, Guts, euh, pas en trois tours, une fois. Ok. De, de, de double couche de hard defense dans le même skill, bon, pourquoi pas ok, pourquoi pas euh, je, euh, donc ok, un burst et du coup ça qui, bon ok moi je pense que en termes d'attaque elle est pas incroyable il me semble hein. restance au débuff restance au débuff et un peu de dégâts <laughs> et un peu de dégâts supplémentaires et du coup son NP, euh, caress of the medusa, NP quick à 8 coups euh, Pareil, dites moi s'il y a un monde où dans lequel on peut euh, apple loop avec euh, avec ce euh, qu'a dit mais je suis pas certain non plus parce qu'à mon avis sa rage de Np doit pas être incroyable là quoi oh, je pense n'est pas, pas assez euh, donc je dégâts sur un adversaire un adversaire en single target du coup euh, réduit ses chances de crit... enfin ré... pardon réduit la résistance au quick de l'adversaire de, de, de 20% pendant 3 tours donc même boeuf que euh... enfin même que son premier skill du coup euh, et, euh, et du coup, chance de stun pendant un tour euh, à partir de 80%. Donc ça, à la limite c'est pas mal. Généralement, généralement, ça proc, la plupart du temps, ça proc. Donc euh, du coup, t'as un stun plus un charme. Si vraiment t'es contre un personnage masculin, donc ça peut faire des trucs. En vrai, ouais, les, les skills. Maintenant que je les regarde maintenant, les skills me paraissent pas dégueulasses en soi, surtout avec les buffs qu'ils ont eu. Non pour le MP loop, d'accord. Est-ce qu'il me paraissent pas dégueulasse Tu peux stun deux fois, c'est un ennemi masculin, euh, t'as un tour de burst, bon, as, ap, ap, as, Ça, ça peut faire une sorte de charisme euh, un peu détourné, mais moins, moins fort. T'as du hard defense. En soi, c'est pas mauvais, en soi. Enfin, c'est pas dégueulasse, quoi. C'est pas transcendant, mais c'est pas dégueulasse. Par contre, le perso, au secours, quoi. Donc, euh, ouais, je vais la mettre en, je crois, euh, B B- C B- C c'est parce qu'il des... hein. y des gouttes, c'est une Allez, vas-y, let's go. <laughs> Alors, attendez, du coup, je n'ai pas trop suivi ce que vous avez dit, du coup. C'est euh... moi qui me fais un truc vraiment vite, je... stupide, je fais pas ça. <laughs> oui, oui, j'ai vu, il y, un nouveau... il y a un nouveau rang dans Master Duel. Ils ont maintenant ajouté le rang, le rang diamant au-dessus du rang platine. Spoiler, je ne je... joue plus tellement à Master Duel maintenant, en ce moment. Donc, bon. okay. Et même si j'ai joué, j'arriverai jamais jusque-là, donc... Euh... De toute façon, moi, je joue. Euh... <laughs> J'essaie de jouer euh, IC1000, moi, donc bon. Euh... C'est pas avec ça que je vais monter le rang. Salut, allez-nous Hello, hello J'espère que ça va bien. On est sur une petite tier liste des, euh, des servants de FGO. Et on avance très, très, très lentement, mais sûrement. On vient acheter un bêta testeur pour ce. Pour Aurier... Enfin, pour Steno. Au secours, au secours. Sacrifice pour la cause, bravo, soldat. La euh, fois que j'étais. Oula, Carmilla, c'était. il y a longtemps. On, a... on, a... on, a... on a bien avancé. Enfin, on a... J'ai dézoomé à donf maintenant. Voilà, on en est à là actuellement. Attends, hop, voilà pour avoir, euh, pour avoir Angra Manu ici. On en est à là actuellement. Euh, Carmilla, c'était la première session. On en est à la cinquième, normalement. Donc, euh, donc voilà, ça donne. Bon, attends, je vais, ça devient ridicule. Je vais zoomer, je vais descendre petit à petit. Euh, donc, voilà, on a, on a un peu agrémenté maintenant des nouveaux tiers avec le A, le A, le A-, le B, le B-. C'est d'un peu fluidifier. Euh, un peu plus ce placement de certains persos mais euh, dans l'ensemble voilà on en est là actuellement et là on est en train du coup de faire les quelques derniers perso les quelques derniers personnages de Camelot euh, donc là on va passer sur Golgon Gorgon que je n'ai pas donc euh, si jamais euh, vous avez un retour d'expérience à faire dessus n'hésitez pas personnage story locked déjà donc encore une fois uniquement si euh, bannière ou il y a Gorgon en rate-up ou bannière euh, de l'histoire, sinon pas possible de l'avoir. Avenger... Avenger, pas un, donc euh, voilà. Lead buff, ok. <laughs> euh, à, peut mieux faire, très bien. Peut jouer Gorgon D'accord, d'accord. Alors, euh, bon, déjà en termes de design. Le premier qui me fait une réflexion <laughs> sur une certaine taille de quelque chose, euh, non je... Alors, évidemment, c'est un peu comme le pif au milieu du, au milieu du visage, hein, voilà, euh, c'est un peu abusé, je vais dire, mommy snake, voilà, c'est un peu abusé. Mais sinon, à part ça, euh, moi j'aime bien, notamment aussi dans l'animé, ils l'ont bien, ils l'ont bien vendu, je pense. Et euh, effectivement, voilà, moi j'aime beaucoup cette quatrième ascension, je l'aime beaucoup, très voilà, l'ange tombe du ciel. J'ai plus J'ai encore le bonk. Ah, oui, Oui, c'est bon. J'ai encore le bonk, c'est ça. Par contre, je n'ai plus le lieutenant bonk qui, euh, qui faisait le gif avec le chien. Voilà, ça, je l'ai plus. Euh, je ne sais pas si je l'ai d'ailleurs. Ah, faudrait que. Je... Ah putain, mais c'est ça en fait. Ouais, euh, quand on fera les, les roulements des, des, de la sonde je pense que je rajouterai le bonk euh, un de ces quatre. J'aime bien les points communs avec Boudica. Voilà, là, c'est une façon élégante de le dire. Voilà, tout à fait. Pas, pas mal, pas mal, bien joué. <rire> <rire> euh, donc ouais, donc ouais, donc ouais. Quick art, art Buster, Buster. Alors en Avengers, je sais pas trop j'ai jugé les Avengers du coup. Parce que pas, à part à part Dante, mais que lui j'utilise que pour les euh, que pour les Scally farm Donc euh, voilà, euh, c'est un peu compliqué à, à juger. Donc je rappelle, c'est que contre les Rulers, ou sinon c'est neutre contre tout, sauf les berserker aussi. Euh, de ce que je vois, génération de NP. Pas ouf, enfin 5 coups mais à 37% ça fait genre du moyen moins, je pense, et euh, étoile inexistante. Oui, 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 ils, sont sortis, ils ont vendu Uchi Wakamaru grâce à elle, voilà, effectivement. C'est bien, après, c'est bien, être un tremplin pour Uchi Wakamaru, c'est pas mal. Euh, donc, premier skill c'était du coup un burst d'attaque pendant un tour de 50%, pas mal t'as Alter, sauf Stéphane de Minza Gorgon, tu la joues pas. Après, c'est pas le même rôle, elle, elle est à haut, il me semble. C'est pas as fait le même rôle. Mais, enfin, généralement, t'as pas besoin d'un Avenger à haut. Enfin, à moins de pouvoir loop avec, t'as pas besoin, sinon. Au juger les Avengers... Oui, non, mais... star <laughs> lui Je sais que Speshichtar, elle est bien. Je le sais. Euh... euh... Donc ouais, 50% d'attaque euh, pendant un tour, pas mal du tout, très très bien. Euh... Et, euh... Et après du coup ça, ça a été buff. Alors pareil, j'ai aucune idée si ça a été buff ou si ça va être buff. Sur euh... René. Donc au lieu d'augmenter pendant un tour, ça augmente pendant deux tours ou quatre attaques. Ce sont des chiffres un peu bizarres, mais admettons, et ça augmente toujours de 50% son attaque. Et en plus, elle, elle augmente l'absorption de ses cartes booster l'absorption d'étoiles de ses cartes Buster de 600%. Donc, du coup, effectivement, elle passe, euh, elle passe orientée crit, du coup à ce moment-là. effectivement. Euh, ensuite, son deuxième skill, c'est un Guts personnel et 50% d'augmentation de ses dégâts crit pendant 3 tours de 50%. Ah oui, d'accord, ok, 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 d'accord, je comprends. Donc en fait, là, là oui, ok. En fait, l'idée, c'est que au départ, euh... au départ, en fait, euh, j'imagine que le problème qu'elle avait, c'est que qu'elle faisait, faisait des bons dégâts critiques mais elle avait ni aucun moyen de générer des étoiles, ni aucun moyen de les absorber. Donc maintenant, elle peut toujours pas les générer, mais au moins, elle peut les absorber avec son, avec son, son skill 1. Ok, d'accord, donc c'est un buff bienvenu, du coup, effectivement. Euh... <laughs> Euh... ensuite 50% du coup en bon, trois tours de crit c'est très très fort et du coup en ce troisième skill chance de pétrifier un ennemi de pétrification on a dit c'est différent du stun c'est-à-dire que euh, ça ne prend pas en compte les effets de résistance ou d'amélioration des, euh, des, euh... des des chances de, de stun du coup pétrification c'est autre chose et du coup à 105% euh, sur le Au niveau 10 qui du coup est un peu overkill mais pour bon, ce prix ah bah la musique de Diablo, mon gars, bien sûr. Hein. Là, j'ai vraiment... Euh, je sais pas si je peux partager une playlist sur... Euh, partager, copier le lien vers la playlist, ouais. Euh, J'utilise en fait actuellement la playlist de, de AlphaCast, qui s'appelle Olfo, Olfocost, euh, et qui du coup, en fait, euh, donne... Genre, il y a une 180 vingtaine de, euh, de, euh, de, de, de musique de jeux vidéo qui sont, ma foi, de, de très bonne facture, et surtout qui sont assez chill, Justement... Bah, en fait, ils en... généralement, il s'en sert notamment pour faire des... Euh, bah, du... bah, C'est war après où il est en train de peindre des figurines chill, de toute façon, ou de faire du talk avec ses joueurs donc du coup, une playlist plutôt chill, mais qui, euh, qui, euh, qui du coup, euh, a quand même de la bonne qualité dedans, quoi. Effectivement. Euh... <laughs> Ça fait une guerre entre... Ça suffit, oui euh, Silence. Voilà, merci. Ça fait une guerre pour euh, pour, 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 pour Star là, c'est ça Moi de toute façon, vous savez, mon avis, Alors, on n'a pas encore vu Spécich Star, mais je vous le dis tout de suite, euh, elle, elle passera pas au-dessus de Dante, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Euh, Nolan, désolé, mais pour moi, Spécich Star, ça sera pas au-dessus de Dante. Hein. <laughs> j'ai vu la lumière, j'essaie de la montrer aux autres pour faire atteindre la vérité. Moi, j'ai vu les ténèbres, <laughs> les ténèbres du désespoir avec Dante, et du coup, euh, on, on est ennemi mortel, du coup. <laughs> Euh, bref, du coup, j'en étais où Oui, donc euh, Skill 3 pas mal, euh, parce que ça stun quasiment de façon systématique. Euh, c'est Diablo 2 Non, c'est. Ah oui, ouais. euh... C'est Diablo 2, oui, effectivement. Euh... Et tout ce que Dante rêve d'être Oui, elle a, une ba... elle a une batterie de 50%, dites-le tout de suite. C'est juste ça qui manque à Dante en vrai, c'est une batterie, c'est tout. Et encore, même pas. Ouais, bon, et encore. <laughs> euh... Et euh, qu'est-ce que je vais dire Oui, euh, je vais dire quoi Ouais, donc pardon, je, je... focus. Crit, crit et euh, pétrification, ok, d'accord. C'est que les passifs spécifiques des Avengers, donc commentation de ses, sa génération de NP quand, quand elle se fait attaquer, mais réduit la résistance au debuff de toute son équipe en démérite. Augmente ses dégâts crit, augmente sa barre de NP de 3,8% par tour. Très spécifique, mais c'est comme ça. Et du coup, son NP. Euh, du coup, c'est un NP AOE Buster, donc pour un Avenger... Avenger AOE, donc en Buster, il n'y en a pas des masses, hein. je ne pas dans de conneries, mais je crois que des Buster AOE hors Space Star, quand elle le veut bien, euh, il n'y en a pas des masses. Euh, et du coup, euh, donc AOE qui charge la barre d'ANP de, de toute l'équipe de 15%, y compris d'elle-même, et ensuite euh, inflige euh, malédiction euh, à tous les ennemis pendant 5 tours. Avec 1000 points de dégâts minimum, donc ça, encore une fois, c'est assez anecdotique. Euh... Ouais, je trouve étrange l'intégration du... de la charge de NP sur l'équipe. Ça ça rentre pas trop dans son kit, j'ai l'impression. Après, j'imagine. Ah bah non, j'allais dire s'il y a écrit sur ces. Ouais, voilà, les dots dans le jeu. À part la sacro-sainte Timber... la, la sacro Burr, on en a bien sûr. Bon, à part ça. <laughs> Euh, J'allais dire si elle peut crit sur ses arts ça peut faire des bons trucs, sauf que comme elle absorbe ses, ses cartes que sur ses busters ça marche pas. Euh, et comme elle a une absorption d'étoiles de base merdique, euh, elle ne critera jamais sur autre chose que ses busters. Donc... Ouais, c'est vrai. vrai. Ils auraient pu retirer ça, ils auraient pu retirer le fait que ça absorbe que ses busters, hein. je pense que ça, ça aurait pu l'aider un peu pour recharger son NP et puis... Pas des bons dégâts à eux, mais bon. Mais bon, mais bon. Tant pis, c'est comme ça. Euh, écoutez, on va la mettre où, celle-là hum... Elle ira pas au-dessus de B, mais euh... B ou C hum... C'est plus. C'est plus, du coup, c'est con. Euh, je pense que je vais la mettre en B moins. Je vais pas la mettre dans le même rang que Medusa Zalilif, pas déconner, mais euh, peut-être la mettre en B moins quand même. Team Jalter, peut-être elle est beaucoup moins forte, mais c'est la raison de la team de, la venue de 50% de joueurs. On n'a jamais dit que Jalter était moins forte que euh, que Gorgone. Hein. Bien au contraire. t'inquiète pas. Tu peux être très fier d'avoir Jalter. Hein. <laughs> Gorgone a fait de la OE, mais elle fait de fait du coup beaucoup moins de dégâts. Et le truc c'est qu'en fait généralement euh, le, le problème, en fait, des, des Avengers AOE... Enfin, des servants AOE qui sont euh, d'extra classe, notamment, c'est que à moins que, justement, ils aient une, comp une, une, une compétence particulière pour spam leur NP et, du coup, faire du farm, le problème, c'est que des... Par exemple, Avengers AOE, si on le prend tel quel, euh, et ben, euh, là où c'est le plus efficace, c'est quand tu affrontes une vague de rouleurs. Quand est-ce que, dans le jeu... Tu as déjà affronté plus que un rouleur à la fois. Je te demande juste ça, je pose ça là, juste. Ah, par rapport à Dante, c'ta... ah oui oui oui. Et après encore une fois, voilà, par rapport à Dante et Spacey Star, on n'a pas du tout le même rôle. Zeus, c'était un seul, c'était techniquement un seul rouleur, tu pouvais en attaquer qu'un seul à la fois, donc ça compte pas. Tu peux en attaquer qu'un seul à la fois, ça compte pas. Dans certains events, ça arrive. OK peut-être mais voilà dans un event sur euh, 50 jeux <laughs> compliqué quoi compliqué mais euh, non mais en plus voilà Dante et Spacestar star n'ont pas du tout le même rôle que Jalter euh, limite Gorgon, elle est plus en compétition directe avec euh, Spacestar, star du coup donc compliqué mais enfin euh, non en vrai co concrètement Gorgon, elle serait ouais en fait c'est un mix un peu chelou c'est ça entre entre Jalter pour le côté fait des bons crits, mais à un NP AOE, ce qui fait que du coup ça limite vachement son potentiel de dégâts sur une cible unique, quoi, du coup, donc c'est un peu compliqué, et euh... Mais pour le coup, moi j'aimerais bien avoir Gorgone quand même, parce que pour la collectionnité aiguë, et j'ai pas Gorgone, donc euh, un de ces quatre, le jour où vous ferez poule sur une bannière de l'histoire, elle viendra, et puis euh, on sera tous contents, voilà. <laughs> Euh, D'ailleurs n'hésitez pas bien sûr à farmer vos... N'oubliez pas que vous, vous farmez aujourd'hui vos points de chaîne pour euh, pour éventuellement me faire pouler le dino. De toute façon, alors, juste pour ceux qui demandaient le dino la dernière fois, euh, sachez que je vous ai promis que je ferai un pool sur la bannière du dino parce que euh, vous m'avez offert au Kitalator. Donc euh, voilà, vous avez, vous avez gagné un pool sur le dino, enfin une multi sur le dino, sachez-le. Voilà. Pour ceux qui étaient pas là la dernière fois. Donc, euh... <laughs> Donc vendredi, on fera un pool sur le dino quand même. Même si vous n'avez pas claqué vos points de chaîne là-dessus, parce que bah, la dernière fois, vous m'avez fait gagner au kit halter. Donc, euh, je, je vous dois bien ça. Voilà. 8,1. Ouais, ça monte, ça monte, ça monte. N'hésitez pas aussi à regarder les lives d'Anguin de la F aussi, qui sont assez longs et donc vous permettent de farmer les points de chaîne, bien évidemment. <laughs> euh, c'est beau, c'est beau. Et enfin, du coup, euh, nous avons. En... Enfin, enfin, non, pas enfin, il y en reste d'autres, des personnes de, de Babylonia. Jaguar Man! Jaguar Warrior hein, dans sa version euh, NA officielle. Jaguar Tier. Oui je pense qu'on peut le mettre dans le Jaguar Tier. Encore une fois, avance Story Locked. Je suis même pas sûr d'avoir NP5 celle-là. Si quand même depuis le temps. Depuis le temps je, avoir, je dois l'avoir NP5 quand même depuis le temps. Si si si. Masterclass. <laughs> T'as Ascension 3. Ouais ouais, as Ascension 3, ouais clairement. Waifu Tier. C'est pas -ce vous payer la multi, je suis l'homme qui perd le plus de points de chaîne sur cette chaîne. Ouais, ouais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Le peuple, clair, la Final d'ascension. allez, le peuple réclame, le peuple, vous, vous l'avez, euh, voilà. J'avoue qu'elle est quand même très très stylée celle-là. Hein. voilà. Horse Story, elle a eu 4 bannières et la dernière date de mars. Eh ouais, bah après, les 3 étoiles, ouais, des fois c'est compliqué de les faire arriver dans des bannières. Ah oui, non, mais elle est euh, qualitative hein, cette, euh, cette Final Ascension. Hein. Regardez-moi cette ours en plus, là. enfin ce tigre en plus, là, ce jaguar en plus, enfin je ne sais pas. Un peu Monokuma, mais non bref, j'arrête. De... Focus. Bref, sinon à part ça, ça fait regretter. Enfin, tu te demandes, voilà, euh, pourquoi, pourquoi le Kigurumi quand t'as ça à côté, quoi. C'est tu te demandes en fait. Voilà. Mais en vrai, elle est cute. hein, Kigurumi, elle est, elle est cute quand même. Ouais. Euh... Et finalement, c'est vraiment que j'ai pas tant utilisé que ça, mais qui, à chaque fois que je m'en servais, j'étais agréablement surpris, mine de rien. Mais, mais non, enfin, je... Pourquoi je, je suis désolé, c'est agréable à la vue. <laughs> Team Kigurumi. Ah Team Kigurumi, si, d'accord. <laughs> euh... Ouais, donc un servant que j'ai pas utilisé souvent, mais euh, qu'à chaque fois que je me servais, j'étais agréablement surpris, du coup. Euh, donc, euh, Lancer 3 étoiles, Quick Quick Arts, Buster Buster, Génération de NP, Ok. Ok, elle a pas beaucoup de coups sur sa art mais ok. Et Génération d'étoiles... Moquer okay plus, on va dire. Skill 1. Alors, ouais, c'est un peu le skill qui fait tout, celui-là. C'est le skill qui augmente de 30% ses busters pendant 3 tours. Qui augmente ses résistances aux debuffs mentaux pendant 3 tours de 40%. Qui lui donne 2 evades. Sans euh, limite de tour. Et 15, 15 étoiles. Pas mal. Pas mal du tout, en vrai. Déjà... Voilà. Mais par contre, 10 tours de cooldown, effectivement. Effectivement. Ça, euh, ouais, les, les cooldowns, c'est <laughs> compliqué. Mais, euh, ouais. Ouais, j'avoue que les cooldowns c'est compliqué. Ensuite, euh, Jaguar Kick qui augmente du coup de son attaque de 30% pendant 2 tours. Et son troisième skill qui du coup, euh, alors, de phase, qui de base augmente de 50% ses dégâts crit pendant 3 tours. Et sur un terrain en forêt, il arrive euh, assez peu souvent au final. Hein, euh, terrain en forêt augmente son absorption et sa génération d'étoiles de. Et de respectivement du coup 600% et 50% pendant 3 tours également. Euh, Est-ce qu'il y a un... Attends. C'est marqué les persos qui transforment le terrain ou pas Non Parce que il y a certains personnages qui ont comme euh, dans leur skill ou dans leur NP, le fait de transformer le terrain, justement. Typiquement, bah... Euh... Euh... Ouais, voilà, dans la dernière Lost Belt, c'est compliqué de tourner une forêt, par exemple, ouais effectivement. Euh... Par exemple... Euh... Non, non, là, ce que j'ai, c'est les servants qui peuvent profiter du... Merci, euh, Kayon Jarvis, pour le follow. Merci beaucoup, hello, hello. J'espère que ça va bien. Euh, ça, c'est les, euh, les servants qui utilisent le terrain à leur avantage. Mais ce pas les savants qui transforment le terrain. Nuance. Par exemple, effectivement, par contre, effectivement, Nobunaga Berserker sur son NP transforme le terrain en terrain qui brûle. Ce qui fait que, du coup, bah, Nobunaga euh, Berserker et Nobunaga euh, Maonobu, et bah, ensuite utilisent ce, ce buff euh, pour transformer, pour, avec, du, du fait que le terrain brûle. Pareil, pareil pour euh, Melt, Melt Lancer. Euh, je crois que c'est son voilà, c'est son deuxième skill, elle transforme le terrain en... en eau. Et là, pour le coup, le terrain d'eau, il y a beaucoup de servants qui s'en servent, donc ça c'est cool. Par contre, terrain forêt, il n'y a personne qui transforme, même elle ne peut pas transformer le terrain forêt. Euh... Je lis ce que je lis, là je vois bien, euh, FR sur FGO, tout à fait, tout à fait. Eh mais, on... mine de rien, on commence à être de plus en plus, j'en vois de plus en plus des petits des petits streamers FR sur FGO. Mais écoute, bah, bonsoir à toi, j'espère que ça va bien. Euh, nous sommes actuellement sur un euh, concept de tier list de, des servants sur FGO justement. Euh, bon, c'est la partie numéro 5, hein, On a, euh, ça fait genre, <laughs> ça fait trois semaines qu'on est dessus. Euh, en gros, euh, voilà, c'est tier list très euh, globale, en mode. On prend le gameplay, mon appréciation perso des, des servants, on prend euh, est-ce qu'ils ont, est qu ont un design de ouf, est-ce qu'ils euh, qu'est-ce qu'ils ont été vendus par l'histoire, tout ça. Appréciation globale des persos. Et, euh, et on classe ça, tout simplement. Voilà. Et du coup, ça permet un peu de redécouvrir certains persos qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc là, notamment, on est sur Jaguar Warrior. Et, euh, et ma foi, du coup, je suis... Euh, euh, je ne sais pas trop encore où est-ce que je vais la mettre celle-là. Euh... D'accord, et ben bah, écoute, euh, en tout cas merci, merci du follow déjà. maintenant alors, Si tu veux, moi je stream généralement une fois tous les deux jours à peu près, pas forcément que sur du FGO, mais surtout du FGO, une fois tous les deux jours à peu près. Et concrètement, là, donc aujourd'hui on fait la tier list et vendredi on fait la découverte de l'event euh, Fate Requiem. Voilà, si jamais. Et sinon dimanche, je fais un peu de Tangan Rampa également. Voilà, <laughs> voilà un peu moins plus, passé, euh, tout va bien. En tout cas, merci beaucoup d'être passé et puis si, à, à bientôt du coup. Qu'est-ce euh, que je veux dire Oui, donc du coup, son... c'est pas si faible, c'est résistance au débuff très bien, 2% d'augmentation de ses busters parce qu'il fallait, une... fallait j'imagine. <laughs> euh, un peu de divinité en passant, et du coup, son NP, c'est Shurit pendant un tour complet, euh, Single Target, et réduit la résistance au débuff de l'adversaire de 10% pendant 3 tours. Pas incroyable, mais bon, ça sais pas. Euh, ouais, c'est compliqué, hein, mine de rien. C'est compliqué, c'est compliqué. Hein. du coup, mine de rien. Reprenons. What, c'est vrai Damn. Non, mais il y a des bots, c'est pas possible. Non, mais il y a des bots. Euh, je suis sûr qu'il y a des bots dans le tas. <laughs> je suis sûr qu'il y a des bots dans le tas. Je regarde, je regarde jamais, moi, les, les nombres de viewers parce qu'à euh, chaque fois, je me fais troller par des, des, des bots qui passent par là. Donc, euh, je regarde plus au final. Du coup, on en est où euh, Vous dites quoi Vous dites A-B, a, -B+, a+ Waifu oblige, effectivement, Waifu oblige, il est vrai. Euh... Alors, parce qu'il est vrai que du coup, elle génère des étoiles. <laughs> Boum je suis un bot. Elle génère des étoiles dont elle peut se servir tout de suite pour faire des bons dégâts crit. être euh, pendant deux attaques, c'est cool. Par contre, effectivement, le coup du coup de 10 tours de cooldown, c'est quand même vénère. Euh, et elle a, des... elle a un bon... Elle a un petit burst quand même au cas où, bon. Je regarde le live sur tous mes écrans téléphone, PC, micro, frigo. C'est pour fermer les points de chaîne, si j'en suis sûr. Est-ce que ça marche si tu, si tu regardes un stream Non, ça marche pas. Ça. Si tu regardes un stream sur deux écrans différents, tu, 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 tu gagnes pas deux fois le nombre de points de chaîne. Ça ne semble pas. Hein. Enfin, je crois que ce serait con. C'est con que ça fonctionne comme ça. Mais euh... non, non, ça marche pas. Ça, c'est l'expérience. Il a déjà essayé. Il a déjà essayé. Euh, bon, 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 bon. bon. Euh... Je pense que je vais la mettre en genre à moins. En mode, c'est un perso que, euh, qui est cool, qui, est, qui peut être sympa à jouer de temps en temps, mais euh, a des petits problèmes sur ses skills euh, qui bon, font qu'ils n'allaient pas si ouf que ça. Mais euh, à moins, je pensais pas mauvais. Quoi. Ça devrait aller. Ouais, c'est ça. Elle n'a elle a rien pour. Euh... Voilà, tu la sors pour le fun. Ça. Ou quand elle est en, en event. Et généralement quand même, il y a quand même pas mal d'events où elle est en, elle est en event, il me semble, ouais, ça vends d'events, il me semble. Euh... Mais effectivement, euh... le fait qu'elle puisse pas profiter tout le temps de son 3 ème skill, qui sinon serait complètement broken, j'ai je viens, ai je viens précisé, c'est compliqué. Alors, <laughs> le moment que vous attendiez tous, <laughs> on va classer Tiamat. <laughs> Alors, qu'est-ce que ça donne Je rappelle. Que nous avions classé euh, Solomon rang, euh, il est rang C, parce que euh, c'était un perso qui n'était pas fini. Donc, voilà, clairement. Euh... <laughs> Donc là, on va voir, est-ce que Tiamat s'en sort mieux Momitière, oui, mais bon, euh, moi j'ai déjà Aoui Yuki tière, déjà. Vous, vous l'avez peut-être oublié, mais Aoui Yuki tière, déjà. Euh... Alors, forme de femme fatale, apparemment. Voilà. Bistière, ouais, non, mais attendez, on va la classer dans le même rang que tous les autres. Ah oui! Ah oui, Yuki! Je suis désolé, c'est marqué là, effectivement. Mais la FA sur arcade, on va regarder, on va regarder. Forme euh, de bête, forme de bête, forme de bête, forme de bête. Forme form d'après le full, ok. Euh, Est-ce que euh, la, la FA sur arcade, c'est quoi? C'est celle-ci? Ah, ah oui, c'est euh, Loli, euh, Loli et Tiamat. Or. <laughs> et la, la FA, elle donne quoi du coup? Ah, c'est plus Loli et Tiamat du coup. D'accord, ok. Bah, elle ressemble. Ouais. Ouais. Bon. Mais en vrai, j'ai un petit faible pour les, pour, pour les yeux où il y a un truc dedans. Justement, je, les, des, dès, dès que vous avez un personnage qui a des yeux avec un symbole dedans, moi j'aime beaucoup. Euh, bah, notamment euh, là, justement, c'est pour ça que j'ai un peu. C'est con, mais c'est un des trucs qui m'a fait, fait acheter au Shinoko, littéralement. <laughs> Parce qu'il y avait des étoiles dans les yeux, je t'envoie. Ok, cool, sympa. Honoré Arcade, ouais, ouais, toujours, hein, toujours. Ne vous inquiétez pas, ils vont bientôt mourir. Vous aurez votre revanche. Vous aurez votre revanche. Surtout qu'en 5 Alors, non, c'est pas ça que je pensais, mais. <laughs> c'est pas ça que je pensais du tout. Euh, alors, Quick, Arts, Arts, Buster, Buster. Zéro charge de NP sur ses Arts. Donc, ça, c'est. Ça, c'est quand même très rédhibitoire. Bon, je sais qu'elle a qu'un seul... Un seul coup. Euh... Un seul coup sur sa carte Arts. Donc, déjà, c'est pas ouf, mais 0% de charge sur ses Arts. C'est-à-dire qu'elle ne prend du art que quand elle se fait taper ou par ses skills. C'est quand même dommage, hein, mine de rien. Elle prend du NP que quand elle se fait taper. C'est quand même dommage. Et génération d'étoiles inexistante parce qu'elle n'a qu'un seul coup sur toutes ses cartes. Donc c'est inexistant, hein. voilà. Donc en termes de stats, c'est pas ouf. Clairement, c'est pas ouf, voilà. Par contre, une attaque de 13 000, hmm. Attaque de 13 000, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Par contre, hein. ça on va pas se le cacher. Et 18 000 points de vie, c'est aussi assez vénère. Mais non, c'est un bon temps quoi. Elle, 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 elle protège, elle attaque et sur un boss team elle a les étoiles dans les yeux. Euh, du coup, elle a euh... Oula. là On va la prendre sous forme de servant hein, parce que parce que ça c'est ça, ça, ça se voit un servant, c'est un boss, hein, rien à voir, rien à voir. Sachez faire la différence les gens. Euh, ouais, au Shinoku, c'est très très bien, c'est très très bien. Euh donc Attends, quoi? En même temps elle nous a jamais attaqué consciemment. Ouais, oui, non mais d'accord, mais quand même, quand même, ça rédimitoire. Bref. Premier skill, du coup, en fait, elle, elle par contre, c'est bien parce qu'en fait, tous ses skills ont un cooldown de 3 tours. Ce qui fait qu'en fait, euh, généralement, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va faire son premier skill, son deuxième, son troisième, puis elle va refaire le premier. Donc, tous ses skills ont un cooldown de 3 tours. Donc, ça, déjà, c'est très bien parce que du coup, elle, pouvoir, elle, peut, elle, peut, elle peut faire ses skills quasiment tout le temps. En fait. Et généralement, et en plus, tous ses skills, ils sont complètement broken parce qu'ils ont, des, euh, ils ont des, des, des uptime de 5 tours. Donc, vous pouvez spammer des trucs, vous voyez. Alors, elle nous farm, exactement. Donc, on va, on va lire ça. Premier skill, réduit la résistance au debuff de 20% de tous les ennemis pendant 5 tours. Ce qui est très bien, parce que du coup, vu que l'entièreté de vos, debuff, vos skills derrière, c'est de faire des debuffs, euh, c'est ultra important, du coup, bien sûr. Euh, réduit leur chance de succès de buff de 20%, réduit leurs leur soins reçus de 20%. Euh, par contre, fait la même chose à tous ses alliés, sauf à elle-même. Un perso qui est très égoïste, hein, mine de rien. Euh, D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'en fait, non, d'accord, en fait, c'est moins, moins fort que ce que je pensais, c'est juste qu'en fait, elle fait 3 debuffs à chacun de ses skills, par contre, elle afflige ce debuff aux ennemis et aux alliés. C'est quand même, ce qui peut être très chiant, du coup, de fait, ce qui peut être très très chiant. Euh... Bon, bref, donc du coup, déjà, elle facilite le fait de, faire, de mettre des debuffs. Ensuite Réduit l'attaque de tous les ennemis de 10% pendant 5 tours, réduit leur, leur génération d'étoiles de 30% pendant 5 tours, et NPC pendant 1 tour. Bon, NPC ça peut aider, surtout, euh, surtout quand ça euh, a 3 tours de cooldown, bon c'est assez fort, hein, mais non, on ne va pas se le cacher. Hein. Euh, et euh, bon, après, 10% d'attaque, c'est pas incroyable, 30% de génération d'étoiles, bon c'est bien, mais sans plus. Alors tout à l'heure, le soin reçu, ok, mais bon, pas ouf, quoi. Euh, oui, voilà, la, la mère ne fait pas de discrimination, elle attaque tous ses enfants de la même façon. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire. <laughs> c'est pas ce que je voulais dire. <laughs> euh, réduit de 10% euh, sa déf la défense de tous les ennemis, et de tous les alliés du coup, pendant 5 tours. Réduit leur dégâts de np de 10% pendant 5 tours, et skill seal pendant 1 tour. Bon, réduit leur dégâts de 10%, c'est nul à chier. Euh, leur défense de 10%... En fait, voilà, elle fait plein de trucs, mais c'est des tout petits modifieurs, et en plus, ça fait les deux équipes. Donc bon, par contre, effectivement, elle peut faire ça tous les 3 tours et euh, sur des trucs qui ont des, des uptime de 5 tours. Donc ça peut, euh, ça peut euh, dégringoler assez vite, quoi. Et son NP, bah, pff, son NP, du coup, c'est un NP euh, AOE, Arts, à un coup, donc pas de possibilité de, de spam, euh, qui, du coup, fait des dégâts, je pense qu'ils sont, et, euh, dégâts AOE, donc, et qui fait buff block à tous les ennemis une fois. Donc, euh, sans durée de, de cooldown. Euh, bon. Qu'est-ce qu'on en pense Shooten qui perd sa place de raid et debuff. Ah, un peu, un peu, éclair, un peu clairement. Après, elle n'inflige pas de poison. Elle inflige pas de poison. Oui, c'est mieux que celui de Solomon qui faisait rien du tout. Elle, elle au moins, elle met, elle met buff bloc, C'est sûr. Une Beast Cat luxure homme un jour, à mon avis, connaissant FGO, ça m'étonnerait. Hein <laughs> euh, ça m'étonnerait. Euh... De toute façon, connaissant la, la, la culture jap, généralement, quand tu as un personnage qui représente la luxure, sauf dans Vocaloid, sauf dans les, euh, les chansons de Moti et de, de Hakunopi, à part là, c'est le seul exemple que j'ai de personnage qui représentait la, la, la luxure et qui était un, qui était un homme. Dans semaine des le manga, c'est qui qui fait luxure déjà Je sais plus. Oh merde, c'est un homme aussi, je crois. Merde, c'est un homme, je crois. Je sais plus. Sur temps, je n'ai pas vu... Euh... Oui, je crois que c'est un homme. Ah, merde. Bon bah, du coup, mon argument est invalide, du coup. <laughs> un gars qui ressemble à une fille. Mon argument est invalide, ça compte pas. <laughs> euh, bref, du coup, bah écoutez, euh, moi de ce que je vois là... Euh, le, le, problème, en fait, le, le problème principal là, que je vois avec euh, Tiamat, c'est que son 0% de charge de NP... Ah mais en plus, attendez une seconde 0% de charge de NP en défense C'est-à-dire qu'elle ne peut pas charger son NP du tout, même quand elle se fait attaquer En fait, attendez, je viens de me rendre compte là, mais... Euh, petit détail Voilà, juste Détail par rapport à d'autres, si on la compare au, au reste des persos du, du, du roster, là, si on prend un, au même niveau que les autres persos du roster, elle ne peut pas, elle ne peut pas charger par elle-même son MP. Elle a besoin d'aide, elle a besoin d'un Waver, elle a besoin d'une SCADI, elle a besoin de tout ce que tu veux, mais elle a besoin d'aide. elle a besoin d'une Castoria, d'une Reynais, ce que tu veux, mais elle a besoin d'aide, elle peut pas euh, fonctionner par elle-même. Le problème, c'est que, euh, eh ben, elle baisse. Le taux de succès. Ah, ah oui, non, ça, 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 ça compte pas sur le NP, par contre. Euh, ça compte pas sur le NP, ça. Mais, euh. Mais, mais ouais. Du coup, la mate, là, c'est compliqué. Parce qu'en fait, elle fait plein de debuffs, elle fait plein de debuffs, elle fait plein de debuffs. Elle a une bonne attaque. Euh, mais, euh, mais. Mais, 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 c'est pas dingue, quoi. C'est pas. Euh... C'est. Ouais, je. Bon, elle est quand même mieux que Salomon. Et encore, parce qu'elle met vraiment beaucoup de debuffs sur tes alliés aussi, donc c'est chiant. Je vais mettre en C en vrai. Je vais mettre pareil que Salomon en fait. Hein. En termes de perso, c'est compliqué. De devoir debuff autant tes, peurs, tes propres alliés pour un personnage qui au final, son NP bah, ne fait quasiment rien et qu'elle ne peut pas charger elle-même, eh, c'est compliqué en fait. Hein. Donc Tiamat, je pense qu'elle va passer en C. Allez b moins parce que c'est une momie. Allez b moins parce que c'est une momie. Voilà. Allez. J'ai B parce que même si elle débuffe les alliés, si tu gères bien, ça te dérange pas trop. Bah après, encore une fois, c'est des débuffs, effectivement qui sont pas qui peuvent ne pas être trop gênants, mais c'est des débuffs quand même, donc faut les gérer. La vache enceinte, je plaque qui se mange froid. Non mais écoutez, on, on, b moins parce que c'est une momie. Allez. Et quoi je vous, je vous dois bien ça. Je vous, je vous offre ça si vous voulez. <laughs> voilà voilà. Mais bon, avouez que c'est compliqué. Juste pour, pour, en forme de boss, c'est quoi déjà euh, Chance d'infuser malédiction euh, pour tous les ennemis quand elle attaque. Chance de réduire les chances de Enfin de, de génération d'étoiles de 20% pendant 2 tours à un ennemi lorsqu'elle attaque. Alors, chance de réduire euh, la génération d'NP de l'ennemi lorsqu'elle attaque pendant 2 tours. Sortir les debuffs, sortir ses buffs. Ah bah voilà, oui effectivement, sous forme de buff, euh, là elle augmente son NP euh, euh, à max. Ok, bien sûr, voilà. Ah oui, donc ah oui, après il y a... Oui, ok, d'accord, ok, ok, attendez, 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 attendez... Attendez, 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 il y a ça, oui Il y a peut-être ça aussi, parce que là t'as la forme Fan Fatale et après t'as la forme dragonoïde Donc faut voir la... Ah oui, mais, mais, mais oui, mais non, mais le problème c'est que là, là ce qu'on me donne à classer c'est la forme Fan Fatale en fait. C'est la forme Fan Fatale Donc bon, je peux pas classer tout ça. Donc là son truc qui fait augmenter sa barre de NPR max, je ne peux pas le prendre. Bon, c'est pas le même perso. Pas le même perso. Euh... Quand j'avoue, j'arriverais bien à faire des trucs avec des debuffs immunes. Ouais. Après, encore une fois, le problème des debuffs immunes, c'est que généralement, soit ça dure. Le, le grand max, c'est que ça dure 3 tours. Le truc, c'est que, ben, au bout de 3 tours, ben, elle refait tous ses tous ces skills et est reparti pour un coup. Est reparti, quoi. Donc bon, ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Après, effectivement, elle a des bonnes stats. Donc, je la laisse en B-. Je la laisse en B-, je, la laisse en B je pense. Allez, B-, ça fera bien. Bon, Merlin, je pense qu'il n'y aura pas trop de débat sur euh, le classement de Merlin. Voilà, à mon avis, euh, je pense que c'est plutôt attendu. Voilà, c'est un, un perso de solo, effectivement. Tiens, c'est un perso de solo. En solo, je pense que ça peut. Et en même temps, même pas, parce qu'en solo, elle peut pas charger son NP. Elle ne peut pas charger son MP en solo, donc euh, elle ne fait que mettre des debuffs, elle met quelques patates de temps en temps, mais elle ne peut pas charger son MP. Donc même pas en solo. Même pas en solo. <laughs> euh, disparu sur la Jap. Oui, bah oui, bah le Power Clip, hein. Power Clip c'est un fait, hein. c'est quelque chose qui existe malheureusement. Euh, Merlin, 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 chanteur, Où est-ce qu'on va le mettre celui-là Bon, alors j'aime beaucoup son art de sa final ascension. Par contre, euh, le costume en soi, je le trouve plutôt zèf. Euh... Le costume de mage, oui. Jamais été trop fan fan hardcore. Il a des lunettes. Il a des lunettes. Il a des lunettes. Effectivement, ça faut pas, pas le euh, C'est qui qui fait le l'art Ça me dit quelque chose. Le me dit quelque chose. Euh, ça fait Ah super, hein, sérieusement. Ah oui, merde, c'est parce que j'ai une... Euh, ok. Ah voilà, ok, c'est les dieux aussi. Ok, je me disais bien que l'art me dit un truc. Ok, ok. Costume 1, et costume 2. Ah oui, c'est avec les lunettes. Le, le costume 2, c'est avec les lunettes. Ok. Alors... Inspiré de quel perso on Comment ça Attends. Euh... Avec des CE qui cherchent p, ça passe en rex Oui, non mais oui, effectivement. Bah, encore une fois, avec des CE qui cherchent p, tous les persos passent en rex en vrai. Euh... Dada dada. Qui a besoin de 3 tours quand tu peux 40 tours avec Merlin, Mache et Jeanne J'avoue. Eh hey Encore une fois Moi j'ai la, la challenge quest là, de du dernier Neveu de Tamamo, Mash, Merlin. 129... 118 tours 115 tours Je sais plus, mais voilà En vrai, c'était fun En vrai, c'est fun <laughs> Tranquilbus le plus détesté. Merci, merci, c'est marrant, enchanteur, merci. Même tire cartoria pour la blague. On a mis Wartoria déjà, je l'ai mis en A+, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. <laughs> Alors, on va le juger euh, avec, les, avec tous les autres. Caster 5 étoiles, Quick Arts 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 Buster. Fun de rester 14 sur mes combats. Bah ouais, vous avez jamais fait ça, vous Attends, je vous mets un coup d'eau. Euh, donc, on est où Génération d'étoiles, hmm, pas ouf. Génération d'NP, par contre, ça peut aller. Ça peut aller. Ne sous-estime pas. <laughs> Effectivement. Quand tu es en télétravail et que tu t'emmerdes, je te jure que ça devient fun. <laughs> euh, donc, premier skill. Charisma, 3 tours 20% classique. Et par contre, charge la barre de NP de tous les alliés pendant de 20% dès le niveau 1. Évidemment très fort, évidemment très fort. Deuxième skill, invincibilité à toute l'équipe pendant un tour complet. Donc bien plus fort que toutes les conneries qu'on a vues avec David ou Tristan, hein, bien sûr. Euh, augmente la génération d'étoiles de toute l'équipe pendant un tour de 50%. Ça, généralement, tout le monde l'oublie. Hein, peux... Évidemment, tout le monde l'oublie, ça, généralement. Et réduit euh, la... les chances de crit de tous les adversaires pendant trois tours de 20%. Pareil, pas euh, extrêmement utile. Rien que cette ligne-là vendrait déjà le skill. Mais bon, il fallait bien avoir un truc qui se level up. Donc, voilà. Les gens me racontent qu'ils fuient encore qu'une <laughs> Effectivement. Euh, et son troisième skill augmente les capacités buster d'un allié pendant trois tours de 50%. Donc, souvenez-vous, déjà là, ça égalise rien qu'avec ça, ça égalise déjà les Nightingale. Mais ma maintenant, le truc c'est que par rapport à Nightingale, il a ça en plus. C'est-à-dire que ça augmente de 3000 points ses points de vie max euh, pendant trois tours et ça augmente de 100% ses dégâts crit pendant un tour. Voilà. Voilà, c'est 50% de busters, 100% de crit, plus 20% d'attaque en rab. Sachant qu'en plus, il y a un monde dans lequel, où ce, au tour d'avant, grâce à ce skill 2, vous avez généré pas mal d'étoiles pour notamment faire crit votre gars euh, sur ce tour-là. Euh, augmente sa capacité Arts de 6% sur ses 3 cartes Arts, c'est très bien. Augmente la probabilité de succès d'infliger des debuffs, bon ça, ça, ça sert qu'une seule fois, juste, juste ici. Et augmente sa barre de NP à chaque tour de 5%, c'est craqué, c'est craqué, c'est craqué. Le fameux Hero Création, bien sûr, sur Artoria, nous le sachions tous, hein, bien sûr, vous avez tous vu de l'or. Et son NP, du coup, bien sûr, le bien connu, Garden of Avalon charge, euh, enfin soigne toute l'équipe euh, de 1000 points par tour pendant 5 tours, charge de 5% la barre de toute l'équipe euh, à chaque tour pendant 5 tours, et génère minimum 5 étoiles à chaque tour pendant chaque 5 tours. Donc il fait des étoiles, il fait du NP, il fait du soin, il donne de l'attaque, il donne des crites, il donne de l'invincible, il donne de la génération d'étoiles. Il enlève même un peu de crit aux ennemis. Euh, J'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il ne fait pas Qu'est-ce qu'il ne fait pas J'ai envie de dire. Donc, évidemment, évidemment que euh, je suis obligé d'admettre que Merlin est euh, un tir à lui tout seul, bien sûr. Donc, euh, maintenant que nous avons euh, classé Merlin là-haut, à sa juste place, je peux passer à Goetia. Il donne pas de 5 quarts c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je peux passer à Goetia du coup. On va classer du coup ce. ce... Bon, ouais, ok. C'est vrai que vous réagiriez, mais vous n'avez pas réagi. Euh, on va passer à Goetia du coup. Pareil. On passe maintenant sur la singularité de Solomon. Beast 5 étoiles. Qu'est-ce que ça donne déjà Ta prise full est incroyable. Il est trop classe. Il a la classe. Je suis désolé, il a la classe. Il a la classe dans ses deux formes. Voilà. Ses deux formes elles sont, elles sont stylées. Mais celle-là surtout. Voilà. En plus, est doublé, il est doublé par Sugita, donc par, Tomoka, par euh, Sugita Tomokazu. Donc, tout va bien. Incroyable, bien sûr. Ah, C'est spoil. Eh, sans déconner <laughs> Franchement, le jeu a 5 ans, quand même. <laughs> il défend, il supporte, mais bon, il give <laughs> c'est ça. Il give the D, effectivement. Euh, alors, qu'est-ce qu'on nous avons ici Nous avons déjà un mec qui a énormément de points d'attaque. Énormément de points d'attaque, déjà. 24 000 d'attaque. Il éclate. J'alter. Euh, 688 000 points de vie. Il éclate tous les persos du jeu. Le tank ultime. Déjà, en termes de stats pur, c'est débile. Il a le même problème que... Euh, que... Euh, que. je suis en train de me rendre compte. Euh, Solomon, attends une seconde, Solomon, j'ai même pas fait gaffe, mais euh... Un truc là. Solomon, il a de la charge... Pardon, excusez-moi pour la situation de toute Solomon il a de la charge de NP quand il se fait attaquer ou quand il attaque, ce qui est très étonnant d'ailleurs. Euh, Goetia, il l'a pas du tout. Donc, euh, genre, Goetia, encore une fois, ne peut pas charger son NP tout seul. Il a besoin de NP quand il Oui, pour le coup, là, effectivement, euh, la question peut se poser. Son NP fait rien. Oui, mais au moins, il peut le charger. <laughs> au moins, il en a un. Enfin, au moins, il peut le charger. Il peut l'utiliser tout seul. Quick, quick, arts, buster, buster. Cinq coups sur ses quick... Euh... Ah, il a zéro génération d'étoiles, par contre. aussi, ça, ça, Il ne peut pas crit non plus, pour le coup. J'espère qu'il a que qui est empêché de se buff avant son NP. C'est dans étape moins fort qu'un trash mob. Ah, bah écoute, les stats disent le contraire. En tout cas, euh, niveau max, les stats disent le contraire. <laughs> euh... Euh, que je veux dire Oui, il ne peut pas générer d'étoiles par contre. 0% de génération d'étoiles. Donc il euh, faut garder ça aussi en tête. Euh, roi des dieux des démons, euh, bah on, va, on va le garder sous cette forme parce que manifestement, c'est euh, sous cette forme-là qu'on me demande de le juger. Donc on va, on va garder ici. Par contre, effectivement, Roi des humains, bah, il a. Il, il a des centaines de milliards de boeufs, mais bon, bah, <laughs> non. Là, on part ici. Donc, premier skill, augmente sa barre de NP, un petit peu. On n'a pas le modificateur exact, mais euh, augmente un peu sa barre de NP. Pareil, on n'a pas non plus le, le, le cooldown de ces euh, de ces skills, mais euh, bon, voilà. on va faire avec ce qu'on a. Euh, donc augmente un peu sa barre de MP donc il a quand même un skill pour charger son MP de façon passive enfin de, de façon active ok très bien deuxième skill euh, du coup augmente sa barre de MP de, au max donc c'est un peu dommage d'avoir deux skills qui font un peu la même chose techniquement même s'il y en a un qui fait mieux que l'autre après j'imagine que celui-là doit avoir un cooldown plus bas que celui-ci j'imagine quand même euh, Ignore un principe pendant un tour ce qui est très bien parce que du coup c'est le tour où vous allez utiliser votre NP parce que vous venez de le charger au max et euh, augmente les dégâts du NP de façon euh, substantielle donc, bah, du coup, voilà, vous êtes sûr de faire des bons dégâts sur votre MP et qu'ils vont passer quoi qu'il qu arrive. Donc, euh, voilà. euh, et ensuite, du coup, troisième skill euh, ne peut s'utiliser qu'une fois par combat, mais augmente sa résistance aux dégâts de MP et euh, sa, sa résistance aux dégâts des pendant 3 tours. D'accord. Et ça immunise quasiment aux dégâts de MP et aux dégâts des euh, Alors, c'est bien. Le problème, c'est que généralement, les adversaires. Euh, ils ont pas encore leur NP au début, justement, au, au début, euh, au début du combat. Donc euh, être immunisé au NP pendant 3 tours, pas, ça sert à rien puisque les adversaires n'ont pas encore leur NP. Sauf s'ils si ont des skills qui chargent. Dans ce cas-là, okay. Dans ce cas-là, contre des servants, pourquoi pas. Les dégâts crit, par contre, ça peut. Ça peut. Mais de toute façon, les dégâts crit après, quand t'as genre 600 000 points de vie, bon, est-ce que tu as, est as vraiment quelque chose à foutre Je ne sais pas. De toute façon, même la majeure partie des, des NP que tu vas te prendre dans la gueule, ils vont rien, tu, tu vas même pas les sentir, hein, donc, euh, donc bon, voilà. aucun passif quand il est... Euh, aucun passif, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et euh, du coup, son NP, son NP, son euh, NP, du coup, AOE Hearth qui fait trois coups, décidément, c'est tous des AOE Hearth, hein, vous remarquez. Ao qui fait des dégâts classiques et qui euh, réduit les performances des cartes art, quick et buster de toute l'équipe de 100% pendant un tour. Euh, bon, un tour c'est assez peu mine de rien, mais ça veut dire que toute l'équipe eh ben, ne fait aucun dégât, du coup quasiment le tour d'après. Pour PvP, c'est pratique si l'adversaire est -à une team full kaleidoscope. Oui, effectivement, effectivement. Bah, après il n'y a pas de PvP dans le MGO, mais effectivement, ça pourrait. Tout à fait, tout à fait. Donc, euh, donc voilà. Après voilà, il fait après ce qu'il faut voir, c'est qu'on n'a pas non plus le problème, c'est qu'on pas non plus le modificateur exact de du, du, euh, <laughs> du de l'amélioration de NP. Est-ce qu'on peut solo Goetia avec Goetia Oui, je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen. Ouais, je pense qu'il y a moyen de solo Goetia avec Goetia. Sûrement. <laughs> euh, je veux dire. Après encore une fois, comme tu ah si il a, il a des skills qui cherchent NP, donc ouais effectivement. Donc, euh, bon, déjà, c'est un MP qui fait des trucs, c'est-à-dire que. Enfin, euh, qui fait à peu près. Il est à peu près aussi utile que celui de. Euh, premier ou deuxième forme Deuxième forme, de ça donne quoi bah, Deuxième forme, il fait encore plus de dégâts, mais il a plus d'effets. Donc, est-ce que c'est si bien que ça Je suis pas sûr. Que c'est vraiment mieux Je sais pas. Euh. En vrai, oui, parce que bah, t'as tellement de points de vie que la réduction de, de performance des Quick Arts et busters de l'équipe d'en face, tu t'en fous, en fait. De toute façon, ils vont, ils vont te faire aucun dégât, quasiment. Donc, effectivement, c'est mieux pour farmer, c'est quand même mieux de, de faire des, beaucoup plus de dégâts, euh, quand même. Parce que là, c'est double le dégâts mis dans en dans le deuxième format. Hein. Et, encore une fois, un de ses skills qui, du coup, boost, c'est... Euh, boost, c'est... Euh, c'est... Euh, Je vais arriver boost ses dégâts de NP donc bon... Euh, voilà. Bon lui écoutez, je pense qu'on peut clairement le mettre en A oh, ⁇ même en Rex, en vrai, parce qu'en vrai, c'est genre, il, il a tellement de points de vie, il a tellement de points de vie en termes de stat, et il a tellement d'attaques, qu'il met des patates de forain à tout ce qui se trouve, et euh, il résiste à absolument tout ce qui se trouve en face de lui, de fait, de base. Euh, après, même effectivement, son NP son kit sont pas incroyables mais euh, voilà le, le, le gars va tenir quoi il va, il va vraiment vous jamais vous laisser tomber <laughs> il sera toujours là pour vous Goethe, pour, pour le coup donc bon je pense qu'on peut le mettre en ex, parce que vraiment il va, il, il va jamais crever vous, vous à la longue vous allez gagner tous vos combats avec lui hein, à la longue par contre, effectivement, ça pourrait, de... ça peut deux fois devenir des. Le Gaúti a le gars sûr bien sûr. Évidemment, le gars sûr Par contre, effectivement, de temps en temps, ça peut donner des matchs un peu longs si, euh... Si, euh... si vous avez besoin de votre NP pour farmer ou autre. Il va vraiment farmer par lui-même, quoi, en fait. Ça oh, truc. Encore une fois, non, parce qu'il y a des skills pour charger son NP. J'ai rien dit. Non, en fait, il est très bien, il est très très bien comme il est. Voilà. Et sur le monde, du coup, on l'a déjà classé. Voilà, donc ça c'était les servantes de Babylonia et de Solomon. Euh, nous arrivons du coup sur euh, les servantes qui sont sorties. Ces trois servantes-là, je crois, sont sorties. Euh, alors, ces deux-là probablement sont sorties euh, lors d'une bannière de, du Nouvel An. M. Shaxxator a dû sortir lors d'une bannière. Maintenant, il n'y a pas eu de Cyber Wars 2, du coup. C'est un rerun de Cyber Wars, non Ça m'étonnerait. Je sais pas. Ah, peut-être les trois. Les trois sont peut-être arrivés euh, lors d'une bannière du Nouvel An, du coup. Je... Mais ça m'étonnerait parce que normalement, il n'y en a qu'un seul. Euh... Avec un seul à la fois Je sais pas. On va parler de Miyamoto Musashi. Je rappelle, avant toute chose, avant que vous écriviez quoi que ce soit, je rappelle que certaines personnes dans ce chat n'ont pas encore ni vu ni terminé la Lost Belt 5. Donc, s'il vous plaît, pas de spoil. Parce que Musashi a une place très importante dans l'histoire dans de la Lost Belt 5. Donc, s'il vous plaît, pas de spoil sur ce qui se passe dans la Lost Belt 5, s'il vous plaît. Voilà. <laughs> Euh, mais effectivement Musashi risque d'être très très haut dans la tier -list, effectivement. Donc, déjà, 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 est-ce qu'on peut en parler de ça? Déjà. Elle est parfaite. plus, en fait, elle est trop stylée, c'est tout. Voilà. Ah, ça n'arrive juste après. <laughs> Déjà, euh, voilà, les cheveux longs, les, euh, les yeux qui sont un peu. Hein, qui ont justement des petits trucs dans les yeux aussi. Mais, de, 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 pas un symbole, mais genre des. des, euh, des petits reflets, des trucs comme ça. Euh, le, 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 le. comment on dit ça Je sais pas comment on appelle ça. Euh, les cheveux là. Pas un tête mais par le... enfin. Ça, ça c'est stylé. Double épée, double épée, double épée, dual Wild. Voilà. Euh... Donnez-nous un costume pour vous j'avoue J'avoue, depuis le temps, pas un seul costume, what the fuck La cinguelle, la cinglée, s'il vous plaît, la lasagna, là, s'il vous plaît, un costume, s'en déconner. Un chignon. Hmm. Alors, chignon, c'est les cheveux, ou c'est le truc qui attache pour faire, un, pour faire euh, une boule Je sais pas. Je sais pas comment on appelle ça. Vous achetez zéro costume, 0 3 costume. ah ouais, mais c'est dégueulasse, c'est pas juste. Bref, bon, design gothier, déjà. Merci Koyama, effectivement. Quick, Arts, Buster, 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 c'est pas souvent qu'on voit des, des sabres triple Buster, mais de rien. Mais Umu, quoi, non mais oui mais Umu, mais Musashi, Musashi, s'il vous plaît Musashi quand même, euh, elle mérite un petit peu aussi. Euh, bref, euh, en plus euh, bonne salle d'attaque et tout. Euh, ouais c'est pas souvent qu'on a des sabres triple Buster il me semble. J'aurais peut-être peut dû en avoir un ou deux qui ont dû passer mais, euh, mais voilà. Et voilà j'aime Nero, mais vous partagez un peu s'il vous plaît quand, quand même. Euh, le... L'impératrice, là, qui garde tout pour elle. Non, s'il te plaît, partage un peu. <laughs> euh, Gawain, effectivement. Bon, c'était pas, pas trop à l'avantage de Gawain, mais ouais. Si, oui, voilà, voilà, on va en parler. On va en parler, tout à fait. Euh, génération de Np, ça va. Mais effectivement, avec son skill 1, c'est beaucoup mieux. Génération d'étoiles ça va. Mais effectivement, avec son skill 1, c'est beaucoup mieux. Les dégâts, ça va. Mais effectivement, avec son skill 1, c'est beaucoup mieux. Euh, son skill 1, justement, on y est. Euh... Il bah, n'y a que Musashi qui sait faire ça, et sa euh, forme Berserker, j'imagine, je crois que c'est... Ouais, non, ça forme Berserker, c'est un autre skill qui est quasiment pareil, mais c'est pas tout à fait le même, mais il n'y a que Musashi qui du coup, sait faire ça, double le nombre de ses coups lorsqu'elle attaque pendant un tour. Et de, en plus, augmente de 30% ses dégâts euh, le tour où elle utilise ce skill. Ce qui fait que du coup, eh ben, euh, vous avez du coup, une carte Arts qui fait 6 coups, une carte Quick qui fait 6 coups, des cartes Buster qui font 4 coups, une extra attaque qui fait 8 coups, et, euh, et ben du coup, euh, ça, fait, ça, ça double, du coup, littéralement. C est, c est exactement, ça revient exactement au même que de doubler vos générations de NP et doubler vos générations d'étoiles. Ça revient exactement au même. Euh, voilà. Ouais, c'est ça. La scénar fait la même, mais que avec le Heart, et ça augmente le NP gain, effectivement. Pas tout à fait la même chose, mais c'est dans le même esprit, forcément, Musashi. Mais euh, voilà. Donc ce qu'il a, c'est son plus fort. Je trouve que c'est un de ses plus forts parce que... Euh, euh, parce que vraiment tu peux sur un coup de crit sur sa carte arts, ça recharge entièrement sa barre d'un seul coup, quoi. Et, euh, et, et, comme, et, 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 ça, et ça peut arriver très souvent, quoi. Tu peux loop, ouais ça, avec ça tu peux loop. Complètement, complètement, complètement. Deuxième skill très fort aussi, on a un mana burst 50% pendant un tour, qui en plus ignore invincible. Déjà mana burst c'est très fort, ignore invincible c'est super. Troisième skill, se donne invincible. Enlève tous ses debuffs et génère 30% d'étoiles supplémentaires pendant 3 tours. Incroyable, incroyable. Bon, généralement, vous avez besoin que pour l'invincible, mais le fait de pouvoir retirer ses débuffs en plus, c'est trop bien. Euh... Et du coup, en plus, la génération d'étoiles boostée, notamment par également le fait de doubler le nombre de coups qu'on fait, c'est craqué. Et son debuff, c'est une cyber, c'est normal. Et enfin, NP. Euh... Oh Oh ah. Oh, 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 oh. oh c'est pas mal ça! Oh, c'est pas mal du tout ça, dites-moi! Ça sort un peu de nulle part, mais c'est pas mal du tout! Donc, NP, euh, donc le rang A euh, au départ, rang A euh, à la fin. Euh, du coup, NP Buster, euh, single target, euh, donc à ouais, 7 coups, qui du coup fait dégâts à un seul ennemi qui, avant de faire les dégâts, augmente de minimum 30%, ses, euh, de minimum 30 ses dégâts de NP pendant un tour, et ensuite, euh, du coup, inflige des dégâts très conséquents, qui fait 150% de dégâts supplémentaires pour contre les Alter Ego et les Moon cancer dans sa version sur JP, et retire leur buff, tout le buff de l'ennemi, après avoir fait les dégâts. C'est très bien parce que jusqu'à maintenant, les, la, le seul personnage que... En tout cas, moi, le, le seul personnage que j'avais dans mon roster qui pouvait faire des dégâts supplémentaires contre les Alter Ego, c'était Kama. Euh, maintenant, je vois que Musashi pourra en faire également. Euh, les Moon Cancer, bah, le seul... Bah, après, c'était Ruler, donc c'était Marta, quoi. Euh, effectivement, Musashi pourra servir aussi là-dessus. Oh, C'est trop bien. Eh, j'ai hâte de l'avoir. Et il sort quand, ce, ce buff-là là Parce que celui-là, j'ai hâte de l'avoir. Hein. En plus, ça booste, ça booste les dégâts du NP de base, donc... Euh, donc, euh, donc ouais, il sort quand, celui-là moi, je crois que j'ai l'NP de 3 Musashi je crois, 2 ou 3, je sais plus. Pour la Nif des 5 ans Ah c'est bientôt du coup Ah, tout, tout, tout arrive pendant la Nif des 5 ans Trop bien, trop bien. Ok. Euh, et ben incroyable. Bon, bon je pense que pareil, là il ne pas vraiment y avoir de doute, hein. je pense que c'est un fan favorite, hein, clairement. Surtout que ouais, moi, ça j'avoue, j'avoue. <laughs> la vidéo récap du mois de, du mois de juillet, elle va être débile. Elle va être débile. Hein. Va être débile hein. Alors, je tiens à rappeler hein, que c'est bon, la vidéo récap du, euh, du mois de mai, hein, c'est-à-dire le récap de tout ce qu'on va avoir sur le mois de mai, est sorti sur YouTube. Hein, donc, euh, n'hésitez donc, pas. Merci. c'est plus le Discord ma commande, c'est quoi déjà Ah putain, mais je suis con J'ai changé ma commande, mais, mais je n'ai pas changé dans le titre du live. Attendez, c'est quoi déjà ma commande maintenant Follow. Follow. quel abruti Hop là, je mets comme ça. <coughs> donc voilà, Musashi, euh, comment on craque La L'année de 5 ans, il amène les meilleurs buffs du jeu Musashi, Reines et Castoria. Alors Reines, chez nous, ça, arrivera, ça arrive un tout petit peu avant. C'est pas tout à fait euh, Reines, euh, le, le buff. Euh, buff. C'est un tout petit peu avant, c'est pour la campagne d'interlude. Ah, mais peut-être que la campagne d'interlude. Bah ben non, la campagne, non, non, campagne d'interlude, on va la voir dans pas longtemps. Donc, euh, donc Reines, c'est un tout petit peu avant, normalement. Justement, on en parle dans cette fameuse vidéo du mois de mai. Normalement. Normalement ça arrive ce mois-ci, Renis. Alors que la Nif, c'est euh, ju fin juillet. Euh, ensuite, un autre fan favorite. The old man of the mountain. To be <laughs> ouais, X plus. j'avoue. J'avoue, j'avoue. Là, je pense qu'il veut... Euh... Je pense qu'on peut le mettre en Wayfoutier. Ouais, Donnez-nous un costume aussi pour, euh, pour Hassan, enfin Pareil là, Nero elle a trop de costume, Hassan, il en voudrait bien. <laughs> quest que tu veux mettre comme costume à Hassan Des lunettes <laughs> Tu mets quoi comme costume en vrai à Hassan derrière À partir de là, comment tu fais évoluer le perso à partir de là <laughs> Le gars un peu remplacé par Kama. Euh... Oui. Un peu. Oreille ouais, de lapin comme Chiki. Voilà. My man. My man. <laughs> le père Noël. <laughs> Un costume de plongée. Un maillot de poing. Son armure. Esco. Ah, euh, t'imagines. Non, je déconne, mais imagine quand même. Bref, un assassin. C'est longtemps qu'on n'a pas classé d'assassin, dites-moi. Un assassin 5 étoiles. Euh, du coup, Quick Arts Buster Buster Buster, doublé par Nakata Jouji. Summer à cette année sur la Jap. Let's go! Let's go! <laughs> On y croit! <laughs> euh... Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Tu peux, tu, peux, tu peux balancer des liens si tu veux. Pas de soucis. Hop. <rire> 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 Let's kill J'adore! <her>. <laughs> Incroyable celui-là! <laughs> Ah oui, ah oui s'il vous plaît, il est parfait, il est parfait. Ah oui s'il vous plaît, lasagna, s'il vous plaît. Un peu d'amour aux personnages masculins, surtout les vieux. Bref, alors attendez, on en est où Ouais, donc du coup, euh, Quick Arts, Buster Buster Buster. Euh, je rôle direct, tu mets Napoléon, non pas encore encore Napoléon, pff, on a encore le temps, on a, il est l'os belle de lui, donc il est, euh, est pas là, lui, il, est, il, est où il est là. Je pense que dans deux, voire trois sessions, on y est, là, clairement. <laughs> euh, donc ouais, euh, niveau génération de l'étoile, c'est pas mal du tout, même s'il a qu'une seule, qu seule carte quick, il a cinq coups dessus, il y a 25,5%, donc c'est pas mal du tout, surtout quand ça crite. Et euh, niveau de génération de NP, par contre, c'est pas... c'est bien si, c'est bien. En vrai, c'est bien. Ça pourrait être mieux parce qu'il est avec plus de heart, mais c'est pas, pas mal. Premier skill. Alors, ce, ce buff, le buff de ce premier skill est débile. Vraiment, ce buff, quand je l'ai lu la première fois, j'étais en mode Mais quoi Pardon Quoi Au départ, c'était juste Guts. 5000 points de vie, c'est propre. 5000 points de vie, c'est propre. Sur un perso qu'on a genre 13000, 5000, c'est propre. C'est quoi ça C'est quoi ça donc, toujours votre Guts, mais en plus, du coup, vous donne un buff qui fait que lorsque euh, tant que le Guts est présent, vous augmentez euh, vos performances Buster de 30% pendant 5 tours. Donc, euh, ouais, ça, c'est ouais, tu te mets Guts, tu te mets le, le buff, donc tant que le Guts est présent, tu as 30% de Buster automatique, et lorsque le, buff, euh, lorsque le Guts se fait trigger. Pardon, -moi. Lorsque le Guts se fait trigger, tu perds ce buff de 30%, mais tu gagnes 50% de buster pendant un tour, et tu cherches ta barre d'un de 20%. Salut Zeb, bah hello Hello, hello, j'espère que ça va bien Nous sommes sur euh, actuellement une petite playlist euh, Fate Grand Order, on est en train justement, Enfin, une, tier une playlist, n'importe quoi, une tier list. On avait parlé en la fois que justement je t'avais euh, raid. Euh, et du coup, et eh ben euh, voilà, nous sommes nous sommes en train de classer tout ça. Donc ça avance petit à petit. Hein, mine de rien, on a, a beaucoup de personnages au secours. On est on avance lentement, très lentement, mais sûrement. Et du coup, ben bah, écoute, nous sommes sur Hassan, le petit, euh, le bon petit vieux là. Écoute, ça va, ça va très bien. Ça va, ça va, très bien. On a fait un peu de Danganronpa hier. Ça s'est très très bien passé. J'étais très content. Donc, euh, donc 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 voilà. Euh, donc oui. Donc déjà, quand j'ai vu ce buff, la première fois, je suis en mode. Qu'est-ce qu'ils ont fumé encore Donc Vous avez un mec qui se donne un buff de 5 tours de 30% au Buster, minimum. Et si jamais il y a son, son guts qui craque, ça charge sa barre et en plus ça, son 30% il passe à 50%. Pendant un tour, mais quand même. Sur un cooldown de 7 tours hein. Ça veut dire qu'il y a quand même un, un, un uptime assez haut quoi. Donc euh, ouais, ouais ouais ouais, bien, bien bien bien, bien pas mal. Deuxième buff, c'est le, enfin, le même skill qu'il y avait sur. Euh, sur euh, comment il s'appelle euh, Vlad Extra, je crois, mais peut-être un, un nombre moindre. Ah non, c'est le même, c'est exactement le même. C'est qui le rang Ah, c'est qui C'est Martha, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est Martha, mais elle fait beaucoup moins de choses, du coup, effectivement. Donc c'est exactement le même skill que. Euh, voilà, que Vlad Extra. De, pour moi, c'est un excellent skill, hein. pareil, c'est un des meilleurs, un des tout meilleurs du jeu, je pense aussi. Euh, 100% de résistance aux debuffs pendant 3 tours, 2500 points de vie de heal, 40% de défense pendant un tour, 20% d'attaque pendant 3 tours. Ça donne de la défense, ça donne du heal, ça donne de l'attaque, la... et ça immunise quasiment à tous les debuffs pendant 3 tours. Et c'est craqué, craqué. Et contre des boss fights, ça c'est insane. Et enfin, dernier skill, si déjà l'augmentation de buster de tout à l'heure c'était pas suffisant, vous avez du coup. Euh, bon, rédu ré, euh, réduction de la chance. Ah, non, pardon. Réduction de la résistance à stack kill de tous les ennemis pendant trois tours de 100% et 50% de booster et mana burst. En gros, et mana burst 50% de booster pendant un tour amélioré. Ah putain, mais à chaque fois j'oublie, mais en vrai euh, les teams à base de euh, stack' kill, faudrait voir en fait ce que ça donne avec euh, avec un avec un Hassan à côté. À chaque fois j'oublie que ce truc-là existe, mais euh, en vrai euh, c'est important. Parce que 100% de résistance en moins pour les ennemis. Ça fait que du coup, bah, des Nitocris, elles passent à 250% de, euh, de chance d'un stack kill. Là, Utsume et qu'on va avoir, elle passe à, so à 230% du coup. Ah, ça commence à devenir intéressant, en vrai. Hein. Ouais, ça commence à devenir intéressant, en vrai. Moi, ce qui me fait, ce qui me fait marrer, c'est ça, là. Non, en, vrai, en, en vrai, ça peut, hein. En vrai, ça peut. Euh, du coup... Les passifs du debuff résistance, pourquoi pas. Euh, génération d'étoiles augmentée, c'est pour ça que notamment que je vous disais qu'il qu générait même pas mal d'étoiles, bah, notamment grâce à ce passif. Crit augmenté, parce que pourquoi pas. Et immunité, pour le coup, euh, personnelle à la mort instantanée, dans insta kill Immunité, enfin, augmentation de 100% de sa résistance à, au charme. Lui, c'est vraiment big saute <laughs> Littéralement. Et, euh, et en plus, et moi le petit truc que j'adore, qui n'arrive na jamais, mais que j'adore personnellement, 5% de chance d'un stack n'importe quel ennemi lorsque vous attaquez avec euh, Hassan. Donc si tu attends que le premier skill pop pour claquer le skill 3, ça fait 100% de buster up pour un tour, c'est ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et une petite bu et un petit boost de, de 20% de, de barre de NP en passant, histoire de, de au cas où, si jamais t'as pas assez de, as pas, si jamais t as, t as pas assez de, de, barre de NP. Et en plus de ça, tu t'es aussi boosté ton attaque de 20% à côté, donc oui, oui, tu, 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 tu fais des bons dégâts, ouais. Ouais non non c'est une team même hein. clairement c'est ça c'est pas c'est clairement pas assez fort pas assez stable effectivement parce qu'en vrai euh, lui il va tenir mais euh, les personnes d'à côté c'est pas sûr quoi Donc, les, les savants d'à côté c'est pas sûr mais euh, bon ça dépend encore de la compo d'en face et tout mais ouais imagine, imagine s'il y avait des buffs de crit ça tombe bien il en a <laughs> merde attendez ça tombe bien il en a un un passif mais imagine mais quand même <laughs> Ouais, voilà, il s'est un peu fait, euh, un peu fait, euh, fait faire de l'ombre par Kama, du coup. Hein, cette foutue batterie de 50% qui, euh, qui est toujours aussi efficace, hein, notamment. Pas que, mais notamment. Euh, tiens, marrant, lui, il a des dégâts supplémentaires contre les Sabers, tiens. Hein. J'imagine pour son combat contre Gawain, peut-être, j'imagine. Et du coup, son NP, très simple single target, fait des dégâts, 100% de chance d'instaquer le minimum. Très simple. Et du coup, avec, le, avec son, euh, son buff, ça te passe à 200%, à 200 en single target. Oui, c'est vrai que oui, mais qu'elle a, a un skill set qui est assez, assez dingue, Kama aussi. Puis, de toute façon, et puis, ouais. oui, non, mais oui il, est, il est toujours très très utilisé, hein, Kassan, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'effectivement, de toute façon, c'est toujours pareil. Hein. De toute façon, plus vous allez rajouter des servants de 5 étoiles pétées dans une, dans une classe, bah, moins les servants qui étaient avant vont être utilisés, c'est normal. C'est normal. Et surtout quand vous avez une waifu à côté. Malheureusement, c'est comme ça aussi. Les gens utilisent plus les Void que, que que les que les que les Boss de Dark Souls. C'est tout. Np sans l'instinct qui, c'est des gars de Low Star. Bah euh, oui, après, alors, généralement les Np, tu les, tu essaies de les utiliser une fois que tu tout, que as le plus de buffs qui sont qui sont passés, qui sont appliqués dessus. Ah, par contre, tu veux dire ça là C'est euh, 600% en single target. Ah, J'avoue que c'est pas incroyable. J'avoue, c'est pas incroyable. Oui, oui, ça, oui. Bah, moi, en fait, le problème, c'est que ça m'arrive parce qu'en fait, je mets le mode random dans mes ascensions. Et du coup, à chaque combat, c'est une nouvelle ascension qui sort. Et du coup, bah, quand ça tombe sur euh, l'enfant, je suis dégoûté. Mais oui, ça arrive, effectivement. Ceux qui le font de façon intentionnelle, ça, par contre, je comprends pas. <laughs> ça, par contre, je comprends pas. mais <coughs> ah, avec le filtre anti-spoil, normalement, tu peux au moins avoir la deuxième ascension qui sort. La troisième, peut-être pas, mais t'as peut-être la, peut la deuxième qui sort, au moins, non? Pas. Euh, en vrai je sais même pas ce que ça cache en soi le, le filtre anti-spoil. Bref c'est pas grave. Donc Hassan, euh, où est-ce qu'on va le mettre lui On va mettre un truc genre A. Genre A ou A. C'est vrai que son NP fait pas grand chose du tout, c'est juste des dégâts. que stacker, généralement ça marche pas. Euh, il fait quand même des bons 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 dégâts. Euh, il tient, il a de la hard defense avec son guts. De le mettre en... ah, tiens. ah, Je pense que c'est pas mal. C'est toujours Ascension 1 pour Kaman avec le filtre. D'accord, ok, ok. Je sais pas. Ok, bah Nolan, merci beaucoup d'être passé. Puis euh, du coup, bonne soirée. Et euh, à bientôt, du coup, prochain live pour moi, ça sera du coup vendredi pour la découverte de Fate Requiem. Enfin de l'event collabo avec Fate Requiem sur FGO. Voilà. Ce sera vendredi soir du coup, donc pareil, même l'heure, mais même heure à peu près 20h30, on verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'être passé puis bonne nuit du coup. Ah, ça ne. Ah, je pense que pas. C'est pas. Ouais, je pense que je vais me mets en A, je pense. Mysterious heroine X alta Alors, elle, elle revient de loin aussi, un petit peu, mine de rien. Hein. Euh, heureusement qu'elle a eu quelques buffs. Euh, ouais. <laughs> elle a une écharpe. Elle a une écharpe. Bon, elle, elle, elle flotte pas au vent, mais elle a une écharpe. Euh... Bah, écoutez, ma foi parfois c'est pas mal, non Broken Shornain Elle a eu des bons buffs. Elle a eu des bons buffs, je suis d'accord. Il manque des... manque... Elle, elle, elle a pas une nouvelle ascension avec ses, avec ses lunettes. C'est ça. <laughs> Après, elle a déjà deux, skills, deux, deux ascensions sur trois qui ont des lunettes, donc c'est déjà pas mal. Sous-côté de ouf. Ouais, ça, je suis d'accord, par contre. Sous-côté de ouf, je suis d'accord. Euh, bon, bah, c'est Burface, ouais. Hein, ah, il a activé le buff, le skill. <laughs> le filtre. Bon, voilà. Maintenant, tu as ta réponse. Tu es libéré. Tu es libéré des, euh, des kamas enfants. Ok, bah merci beaucoup Nakai d'être passé. Pareil, bonne soirée du coup. Euh, donc, 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 donc well, elle, clairement, elle revient de loin aussi. Donc, là, nous avons un Berserker 5 étoiles, Quick, Quick, Arts, Buster, Buster. Génération d'étoiles, pas ouf. Génération de NP pas ouf non plus. Euh, mais sauf qu'on ça crypte, bien sûr. Et, euh, bon j'ai pas enfin en gros design c'est très, très 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 convenable hein. moi j'aime beaucoup euh... De toute façon tout ce qui est cyber wars pour le coup moi j'aime bien leur design et le concept qu'ils ont mis derrière de, de de référence à star wars et tout moi j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup le délire de cyber wars mais mais euh... voilà donc euh, ok cool et elle ouais clairement euh, quand je parlais de mysterioine ex la dernière fois je disais que son kit il était pas incroyable et que ben le fait que ce soit une assassin c'était un peu chiant pour son pour son objectif. Euh, du coup, elle, c'est une berserker, et du coup, euh, la, la niche marche mieux, du coup. Oh le doux, enfin Enfin On a vu pire aujourd'hui. Par est-ce que c'est encore le cas de l'armure qui, qui distord l'espace-temps, là Ou comment ça se passe Bref. Euh, donc, son skill 1 augmente de 50% euh, le servant des anneaux. Oh putain, j'avoue. pas bah, euh, bah, techniquement... Techniquement, techniquement, euh, techniquement. Voilà. Euh, donc ouais, euh, le euh, bon, euh, Et puis on a eu le. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Ça spoil, Je vais rien dire. Vais rien dire. Euh, donc premier skill, c'est 50% de, de soins améliorés personnellement pendant 3 tours et euh, 2000 de heal. Donc du coup Concrètement, ça devient 3000 de heal en, en vérité. Ça devient 3000 de heal. Euh... <laughs> peut-être, ouais. Euh... 3000 de effectivement, du coup. Donc, c'est bien, mais c'est bien pour un Berserker en hein, heal. Bon, après, malheureusement, ça descend assez vite. Évidemment, euh, là, clairement, son, son, son boost, il a été largement bienvenu. Donc, ça fait toujours 50% de heal en plus. Ça, donne, ça soigne toujours de 2000 immédiatement, donc de 3000, effectivement ça augmente de euh, 1000 points de vie pardon, ça, ça soigne de 1000 points de vie à chaque tour pendant 3 tours, donc effectivement ça soigne plutôt de 1500 points de vie à chaque tour donc du coup euh, là clairement, elle survit beaucoup plus longtemps, et surtout pendant 3 tours ou une attaque, ça augmente les dégâts crit de 30% de toutes ses cartes enfin de, de une fois chacune de ses cartes donc euh... donc ouais donc, clairement, ça pour, euh, pour son potentiel de dégâts, ça c'est pas mal du tout. Et des étoiles, pour le coup, elle, elle peut en générer et elle va, elle va pouvoir s'en servir. Donc, ça, c'est cool. Deuxième skill, pareil, c'était justement le skill instinct de base qui faisait que gagner des étoiles. Qui, qui, faisait que gagner des étoiles, qui évidemment, comme quasiment tous les skills instinct de base, a été amélioré pour passer de 20 étoiles et augmenter de 30% ses performances quick pendant trois tours. Sachant qu'il a deux cartes quick, je rappelle. Très fort, hein, toujours très très fort, ça, évidemment. De toute façon, généralement, la moyenne, c'est soit vous avez 30% pendant 3 tours, soit vous avez mana burst de 50% pendant 1 tour. De toute façon, généralement, c'est ça les moyennes. Et donc, en plus, si vous avez un autre bonus à côté, eh ben là, euh, clairement, ça devient un skill, un skill très très fort. Euh, et troisième skill, du coup, réduit de 100% l'absorption d'étoiles d'un allié pendant 1 tour et augmente de. et charisma à côté pendant 3 tours de 20%. Pareil, ça, c'est le, le charisma 20% pendant 3 tours, c'est la base. C'est genre le, le truc de base pour un skill, pour un skill de support. Et euh, quand tu as un bonus à côté, c'est... Euh, ça devient très fort. Du coup, on pourrait se dire, bah oui, mais attendez, mais réduire l'absorption d'étoiles d'un allié, c'est nul à chier. Bah non, parce que euh, tu réduis l'absorption d'étoiles de quelqu'un qui en a beaucoup, ça fait que tes autres alliés, eux, ils récupèrent des étoiles. Notamment, check Salter, qui du coup, est en tant que Berserker, a, elle, un taux d'absorption vraiment pourri, pour le coup. Donc, elle, elle va pouvoir récupérer des étoiles, qu'elle aura régénérées juste avant avec son skill 2, qu'elle pourra utiliser correctement avec son skill 1. En faisant des bons dégâts crit. Et oui, voilà. Euh, Bers Berserker oblige, elle a un petit boost sur ses cartes busters, elle a un petit peu de distance au debuff. Et euh, son NP, du coup, c'est un NP. Euh... Oh, tiens, je... on ne le connaissait pas celui-là. Euh, NP, du coup, quick à 9 coups. Et lui, pour le coup, je crois qu'il est possible de, de loop avec euh, Scadi. Il me semble. Je crois que oui, je crois que j'ai déjà fait. Euh, hit de qu quick à 9 coups, du coup. Qui du coup fait des dégâts single target sur un ennemi, fait des dégâts supplémentaires contre les sabers. Et donc on reprend hein, la, la thématique des, euh, de MHX hein, qui est de base. Donc, que là, sauf que là, comme de base, on a un berserker plutôt qu'une assassin, ça marche quand même beaucoup mieux. Ça fait quand même déjà beaucoup plus de dégâts. Et euh, avec son buff qu'elle qu va recevoir, c'est du coup, avant de faire les dégâts, euh, se donne un bonus de 50% euh, contre les personnages d'alignement bon pendant un tour complet. 50% d'attaque en plus contre les personnages bons. Voilà, C'est pas mal, ça. Personnage bon, je rappelle, ça implique toute cette liste. Voilà. Et du coup, notamment, bah, tous les Sabers de cette liste, donc... Ça euh, fait un sacré paquet de personnes, hein, mine de rien. Euh, tous les cyber de cette liste, eh ben, ils ont des... Oh putain, ça fait... Oh putain oh, Oh, ça fait beaucoup de personnes, ouais. Euh, tous les cyber dans cette liste, ils prennent euh, triple tarif de du coup, sur, euh, sur, ce, sur ce NP. Ah oui, ah oui, d'accord. Effectivement, ah, c'est pas mal. Pas mal du tout, ouais. Ah, je la vache. Euh... <laughs> Où est-ce qu'on va la mettre du coup celle-là euh, Elle a pas de défense particulière. Elle a pas de recharge de MP, de batterie, ni rien. <laughs> elle n'a pas de défense particulière. Elle a juste un peu de heal, mais hein, sur un Berserker, ça part vite. Elle n'a pas de, de, de défense particulière, ni rien. Euh, elle a un peu de support, donc c'est cool. Donc je pense un petit. Hum... Enfin, depuis, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression de mettre que des mecs en A. J'ai l'impression que je ne mets rien en B, c'est terrible. Mais en même temps, les persos sont forts, quoi. Qu que je ne dis pas rien. Là, en fait, avec tous ces buffs. A-A, euh... B. On a quoi en Berserker à côté On n'a pas d'autres Berserker à côté s'il si, y a Raikou qui est là. Est-ce que je préfère euh... mettre check sa alter à Raikou Carrément, oui. Faire des crits, ça marche mieux. Euh... Attends, ah, tiens. J'ai l'impression de, de tout balancer en A, c'est terrible. Alors, justement, ça risque peut-être de changer ici. Euh, je... Donc, on passe sur les servants de Shinjuku et potentiellement on va peut-être s'arrêter là, du coup, une fois qu'on aura fini Shinjuku. Euh... Oh, on aura encore un peu de temps, faut voir. Euh, James Moriarty, je ne le possède pas. Donc, pareil, si vous avez un retour d'expérience à faire dessus, n'hésitez pas. Euh, James Moriarty, du coup, le vieux. Euh, alors là, pour le coup, on en parlait déjà la dernière fois. Vous voyez, le, ce mec-là, c'est euh, Onjo Raita, c'est l'illustrateur qui fait notamment Raiko, qui fait Shuten, qui fait Ibuki Doji, machin. Euh, et donc, on s'était euh, on, on avait statué sur le fait qu'effectivement, à partir du moment où il faisait des personnes... Et qui fait aussi.. Euh, euh, Kintoki. Et euh, là, je pense que... James, c'est un peu la preuve, euh, par exemple, que à partir du moment où Raita où, euh, où Ra ne fait pas de personnage féminin à gros boobs, il s'en sort très bien au niveau du design. En vrai. En vrai, il pète le style, monsieur, euh, monsieur Moriarty, là. Pour le bon, là, par contre, le coup du cercle, je suis pas super fan, je vous avouerai. Mais. Excuse moi Mais. Euh... Mais en soi sinon, il est euh, il est quand même euh, il est quand même BG, en vrai. Plus classe que Sherlock. Euh, hmm, je sais pas si j'arrive jusque là mais <laughs> OK. Alors, effectivement, on va, on va regarder du coup les buffs de son de, de ses skills et euh, ouais. <laughs> effectivement, il y a eu des petits il euh, au moment où ça a été annoncé, il y a eu des fanarts rigolos effectivement. Un vieux peu perso, vieux perso sage d'animé, bah il est vieux, c'est un perso d'animé, il est sage, checks all. <laughs> effectivement, ça checks all. Mais par contre, en plus, mais en plus il est méchant. Alors, euh, le Napoléon du crime. Hmm? Ah, d'accord, ok, Napoléon du crime ça renvoie du coup vers la page de Napoléon, forcément. Euh, et surtout c'est un père de famille aimant, effectivement, il aime sa fille, Fran, -fran, -fran, -fran Sommer, tout à fait. Fait, fait. Ça, c'était pendant l'event de la course, c'est ça, d'été que, que, ça, que ça a commencé leur relation, il me semble. Je crois. Oui. C'est de là que je m'en souviens, moi, perso. Donc, euh, ouais, c'est la summer race. Oh, c'était rigolo. c'était rigolo. C'était euh, rigolo. Quick Arts 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 Buster, d'accord, oh, sur un archer. Euh, génération d'étoiles pas ouf, génération de NP bah bien du coup de fait puisqu'il y a trois euh, trois cartes Garce donc de fait c'est toujours très appréciable. Premier skill, je ne vais pas me, me risquer à les prononcer. Euh, ignore invincible pendant un tour et absorption d'étoiles de pendant un tour personnellement, Donc okay, cool très bien. Et euh, ça a été boosté en en plus ignore défense pendant un tour et génère 20 étoiles. Ah c'est mieux oui effectivement c'est beaucoup mieux. Donc il, fait, il, il va faire des dégâts, ils vont passer quelque que soit ce qu'il en fasse, et en plus, il génère des étoiles qu'il qui utilise dans le même skill. Donc ça, c'est cool. Ok. Deuxième skill, le fameux. Ah oui, c'est vrai, le fameux. Parce que du coup, à la base, Moriarty avait besoin de 10 étoiles pour utiliser ce skill 2, et euh, ce skill consommait du coup les 10 étoiles. Euh, mais euh, au prix de ces 10 étoiles, du coup, ça lui donnait une batterie de 50% de NP, donc on apprécie toujours, et euh, ça augmentait les dégâts de son NP de 20% pendant trois tours dès le niveau 1. Ça, c'était cool. Batterie plus augmentation de dégâts, c'est toujours cool. Mais par contre, ça demandait toujours 10 étoiles pour, euh, pour, euh, pour être utilisé. Donc, euh, donc du coup, effectivement. Euh, enfin, ça, ça demande toujours... Ah oui non, attends. What? Donc t'as quand même besoin de 10 étoiles pour utiliser le skill, mais ça les consomme plus. C'est ça le... C'est ça le truc. Mais tu as quand même besoin de d'accord, OK. C'est pas c'est pas banal mais OK, d'accord. C'est bizarre mais admettons. Euh... donc OK, donc tu donc tu as ces deux étoiles très bien, donc tu les gardes pour le coup effectivement. Tu as toujours ta batterie, tu as toujours ton dégât de NP et surtout tu donnes l'alignement mauvais du coup à tous tes alliés pendant trois tours. Ce qui va évidemment rentrer en combo avec son troisième skill qui du coup est un charisme de 20% et un autre charisme de 20% supplémentaire contre, pour les personnages euh, mauvais sauf lui-même en 3 tours et donc du coup vu que son skill 2 donne mauvais à tout le monde et eh ben du coup ça fait euh, voilà, à un tour de cooldown près ça fait du coup 40% de boost d'attaque pour tout le monde voilà en 3 tours c'est très bien sauf pour, pour lui-même où il a droit que, que 20% mais bon, comme lui déjà de base, il a augmentation de dégâts de NP personnel, ça passe. Son skill 1 drop 20 étoiles. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, ça a été... C'est la deuxième quête d'enforcement, c'est la première, donc effectivement, t'as déjà eu ça qui est passé, t'as le démérite qui s'est barré, et ensuite, pour un peu augmenter la fiabilité du perso, ils ont rajouté le coup d'ajouter 20 étoiles. Et... évidemment. Et même, même dès le niveau 1, en fait, en vrai, ce skill-là, tu peux le laisser niveau 1, en vrai, hein. Parce que niveau 1, tu génères tes 10 étoiles dont t'as besoin pour son skill 2, et le reste des trucs, bon ça, ça se scale pas sur le niveau, et ça, bon, c'est pas incroyable non plus. Donc, en vrai, tu peux le laisser niveau 1, ce quil est parfaitement utilisable hein, tel quel. Clairement. Euh, résistance au debuff, très bien. Tout se ce complémente, c'est ça qui est beau, putain, ça qui est beau. Euh, il a lui-même en tant qu'archer des euh, bonus sur ses crits. Donc j'imagine que quand il crit sur ses arts, ça fait, euh, ça doit un peu faire de générer un peu un peu j'imagine, et surtout générer pas mal d'étoiles, enfin faire pas mal de dégâts. Et par contre, son euh, NP, c'est un NP Buster. Euh, du coup, Single Target qui, avant de faire les dégâts, baisse de 20% minimum la défense de l'ennemi pendant 3 tours. Enfin, c'est bien que ça se fasse avant de faire les dégâts, du coup. Bon, ça, ça vient un peu complémenter le fait qu'il ne chope pas son 20% supplémentaire avec son skill 3, du coup, puisqu'il le, il le chope de manière indirecte ici, du coup. Euh, voilà. Voilà, voilà, voilà. Quoi de plus à dire sinon euh, pas, pas de défense particulière non plus. Mais lui, il a une batterie de 50% pour le coup. Euh, il fait quand même des, des dégâts pas mal. Il fait un peu de support. Euh, est-ce que les personnes qui l'ont, est-ce que vous pouvez me euh, de, dire d'expérience euh, vous, vous le mettriez où euh, Parce que du coup, avec ses buffs, avec ses buffs, euh, là, je le mettrais en. en... C'est un single target archer. On a eu quoi aussi dans cette catégorie ici? Il faudrait que je commence aussi à faire des, des comparatifs entre les persos, parce qu'en vrai c'est co comme ça que j'arriverai mieux à classer en vrai. Hein. Euh, alors là, le, le seul archer single target qu'on a eu dans cette catégorie, donc on avait Chloé, qui avait déjà aussi son, sa batterie. Et donc je préfère mourir avec Chloé, clairement. B plus ou son Ampigen sans crit est pas top, c'est dommage parce que je l'aime bien. Son n'est pas top. Malgré sa batterie, c'est pas suffisant pour le faire charger. pour le faire. Ouais. Je me dis qu'avec une batterie de 50%, c'est quand même pas dégueu non plus quoi. On a quoi là en archer On n'a pas d'archer là-dedans. Il a pas de mauvais archer en fait, si y tant le que j'ai mis en bas. Mais bon, ça va. je l'ai mis un peu plus bas parce que vraiment son NP gain me donne la nausée à talenté, mais euh... Dans ce cas-là, à moins... À moins dans ce cas-là S1 en de S2, j'ai peut-être... Ah. ah parce que le, le S1 il n'est pas arrivé encore chez nous, c'est ça le, le S1 il n'est pas, euh, pas encore chez nous Oh dans ce cas -là, je le mets. Hein. Parce que... Euh... Je préfère Morgarty euh, bon, à Chloé. Tout simplement. <laughs> si je crois. Ok, ok. On se voit. Ouais c'est comme ça. Émile Alter qui est actuellement en bannière il me semble. Enfin Emmy Alter je crois qu'il est actuellement dans, dans, la, dans une bannière je crois. J ai, j ai, alors j'ai essayé de, faire, de mettre 10 tickets dessus je n'ai rien eu, voilà. La même bannière que, que, que Nero d'ailleurs. Euh, j'ai mis 10 tickets tout à l'heure parce que je m'ennuyais, j'ai rien eu, du tout. Ah, je sais jamais, L'animation du NP de Moriarty est insane par contre je suis d'accord. Effectivement. effectivement. Je pas noté mais oui tout à fait. Alors, euh, personnage de toutes les polémiques, euh, Emilia Alter a eu droit effectivement à son petit lifting côté NA bien sûr. Donc côté JP c'était ça. Ma foi de toute façon, faut être euh, Détroit Emilia tout à fait. Euh, ma foi, il est, il, est, il est stylé. Alors, je suis moins fan de euh, quand il est complètement parasité par tout son truc en or là, sur lui. Euh, J'imagine que ça s'explique du coup euh, dans, ce que, dans ce que tu as le perso, dans ses interludes et tout. J'imagine que ça s'explique. Euh, moi, je t'avouerais que bon, pour moi, c'est juste un peu dommage. Parce que je, je préfère son ascension 2, clairement. Euh, 2 ou 1 En voilà, 1 avec les flingues est stylé. Hein. Mais là, deux, la cape, mieux quand même. Et du coup côté NA bon il a, il a il a il a un peu perdu de ses couleurs on va dire on va dire ça comme ça côté NA. donc, euh, donc voilà ah, est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien Je... bah, pas d'écharpe pas d'écharpe effectivement c'est dommage c'est un perso qui pourrait avoir une écharpe hein, mais bon il a déjà une cape donc ça ça ira bien euh, alors 4 étoiles. Alors, personnage story locked pour le coup, donc notamment la, la bannière où il est actuellement avec, euh, avec Nero, c'est une des seules chances que vous pouvez l'avoir, sauf en bannière de l'histoire, je rappelle. Et l'héros aussi étant en story locked, c'est une bonne opportunité également, pour ceux qui, qui, qui ont encore des quartz et qui souhaitent, le <laughs> qui souhaitent essayer de le choper. Euh, parce que du coup, les deux sont story locked et les deux sont right ouais, top actuellement, donc euh, c'est cool. Euh, quick, quick Arts, Arts Buster, je ne l'ai pas, donc pareil, si vous avez un retour d'expérience, n'hésitez pas. Eh mmh. mais... Je l'ai vu, vu venir, <laughs> je me suis préparé mentalement, je l'ai vu venir. Euh... Buster, du coup, génération des Toiles à quatre coups, pourquoi pas, mais je sais pas, son modificateur n'a pas l'air incroyable. Après, quatre coups, je pense que c'est pas si mal... Non, ah, 4 si, coups plus l'extra qui coûte 5 coups, ouais. regardez les 5 Je vous comprends, je vous comprends. Génération de NP, pareil, putain, 4 coups, 4 coups, 4 coups, 5 coups, la vache Si, si, en fait, je pense qu'il fait, des... fait pas mal d'étoiles, je pense. Par contre, en termes de NP, moyen plus peut-être, mais... Ok, pas mal du tout. Alors... Premier skill, augmente sa défense pour 3 attaques ou 5 tours de 50%. Ben Z, la vache, bon Et euh, réduit en plus les dégâts subis pendant 3 attaques de 500 points flat. Ah oui, c'est euh, vénère. Par contre, du coup, c'est 3 attaques. Donc, euh, il se prend 3 coups et après, il n'y a, a, a plus de buff. OK. Ensuite, 2ème euh, skill, augmentation de l'effet de toutes ces, cartes, toutes ces cartes pendant un tour de 30%. OK, très bien. Pas mal du tout. Et ensuite, augmente son attaque, 3 attaques ou 5 tours de 40%. Pas mal du tout également. Un bon burst là de dégâts. Euh, qui peut durer potentiellement assez longtemps. C'est euh, à partir de là, en fait, c'est à partir de Shinjuku, c'est là qu'ils ont vraiment forcé pour mettre des, euh, des buffs qui durent un nombre d'attaques plus qu'un nombre de tours. Parce que les nombres de tours, ça peut être... Euh, ils se sont, sont dit, bah, ça peut être euh, très vite euh, abusé. Enfin, ça peut être... Euh, comment dire <coughs> Euh, si tu fais des. Ouais, ça, 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 peut, euh, ça, ça peut être broken assez rapidement, des buffs d'attaque euh, sur la durée. Donc ils se sont dit, on va, on va un peu nerfer, sauf nerfer les persos, et on va leur mettre buff, du coup des buffs en termes de nombre d'attaques plus, plus qu'en nombre de tours, du coup. Et euh, bon, malheureusement, euh, du coup, ça, 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 ça nuit un peu à la viabilité de certains persos. Parce que typiquement, tu as ce skill-là, qui a un cooldown de 5 tours. Tu dis, ok, cool. Sauf que si tu claques toutes tes attaques avec une extra-attaque. Euh, D'un seul coup, bah, attaque 4 tours ensuite ou ça sert à rien, où t'as plus de buff d'actif. Et le truc, c'est que même, même si tu fais l'extra-attaque, l'extra-attaque elle a pas le buff d'attaque. C'est complètement con, moi je trouve, mais bon. Oh, voilà, c'est un peu compliqué. Augmente la résistance au debuff, augmente ses dégâts crit, c'est un archer, c'est normal. Et du coup, son NP, single target à 10 coups, ignore la défense et. Une chance de réduire les NP, le, la barre de NP de 1. Vous savez ce que je pense des NP qui ont une chance de réduire les barres de NP. Enfin, ce que je préfère. Euh, NP de 10 coups. C'est euh, Castoria compatible, ça, j'imagine, non Après, il n'a pas, pas de buff de NP lui-même. Je ne sais pas. Mais, euh, mais NP... Ah, si, si, après, il a ça, correctement, Je sais pas. NP 10 coups, moi ça me paraît, euh, paraît Castor est compatible ça. Ouais. Il fait des bons dégâts en vrai. Donc bon. Euh, pas de hard defense, pas de batterie de NP ni rien, pas de support du tout pour le coup. Ouais. Et euh, encore une fois, plein de skills qui du coup dépendent d'un nombre d'attaques plutôt qu'un nombre de tours et également un NP qui a une chance de réduire sa, sa, sa barre de points de vie, enfin sa barre de NP. Eh, je suis un peu moins fan du coup du kit Demia. Je, je le mettrais plutôt en B personnellement. Pour le coup, ouais, je suis moins fan de Demia Alter. Et Sian Lobo. Euh, putain, euh, quand je vois les suivants, là, je, sinon, je, me dis, bah, je, je me dis que ouais, les, les persos qui étaient sur, euh, sur Babylonette étaient Vénère, Là, ceux de Shinjuku, c'est plus la même. Hein. B B moins. Je vais le mets en B parce qu'au moins, parce que le, le Dian est sympathique, mais et Sian Lobo, le best doggo, bien sûr. Alors on parle du chien, hein, pas, du, pas du cavalier. Et Sian Lobo, c'est le chien, hein. je crois. Animal caractéristique servant, c'est ça. Ouais. Euh, bon. Euh, Est-ce que vous aimez les pointes <laughs> Est-ce que vous aimez les pointes ou pas Parce que là, ça part dans tous les sens, encore une fois. Hein. <laughs> le boss de Dark Souls, clairement, hein, euh, on l'a reconnu, il est là. Comment il s'appelle Il s'appelle Fenrir dans Dark Souls Je sais plus, j'ai pas, pas joué à Dark Souls, donc mais, mais, mais même moi je sais qu'il y a un bon Dark Souls qui a une épée dans la main, qui a une épée dans la gueule. Sif Fenrir, n'importe quoi, ça rien à voir. Euh... Ouais, ok, Sif, ok. Cette ascension elle est, elle est, elle est, elle est vénère, hein. elle est trop stylée. Hein. Galère à charger, il y a trop de pointes, galère à charger. Euh, bah, euh, trop stylé, simplement. Trop trop stylé le, le chien, le bon dogo. J'aime pas les chiens alors quand ils font 4m50. Ah, C'est un problème, effectivement. Mmh. Surtout que dès, dès qu'il te dès, dès qu voit, il va essayer de te transpercer toutes les pointes de son corps, donc oui, effectivement. À affronter un cauchemar Ouais, on a, on a eu des surfroides, hein, clairement. Euh... <rire> effectivement. <rire> On avait tous des sueurs froides pour l'affronter, celui-là. Et surtout qu'en plus, je sais pas pour vous, mais moi, à l'époque, Bibi n'était pas sorti. Donc, affronter un Avenger quand tu n'as pas de Moon Cancer, c'est compliqué. En vrai. À l'époque. Époque, pour les vieux. Et pas Bibi. On a eu le seul fer à la main. <laughs> se le seul farcir comme on pouvait, quoi. Euh, donc, euh, voilà, c'était compliqué. Effectivement, il, il, il m'a bien cassé les couilles, le beau euh, à l'époque, mais euh, maintenant, ça va un peu mieux avec Bibi, mais j'avoue qu'à l'époque, c'était compliqué. Euh, donc, quick-quick, Arts, Arts, Buster pour un Avenger, euh, qui sera du coup single target à ce moment-là, du coup. Euh, donc, euh, peut-être concurrent euh, direct de Jalte, on ne sait pas. Euh, Génération d'étoiles, pas ouf. Génération d'NP, pas, euh... pas ouf. Normal, moyenne. l'époque, on galérait contre chaque berserker aussi, parce qu'on qu n'avait pas vos fourignants de mort, les jeunes, c'est ça <laughs> C'est ça, c'est ça. Même dans l'histoire, on va taper quelque chose qui se déplace à Mac, qui se déplace à Mac 2. Ouais, 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 oui, bah c'est oui dans l'histoire, oui, c'est compliqué, effectivement. Oh putain, Aga Agartha avec, euh, avec la Team Burn. Ah non, c'est très trop simple, en fait. Agartha avec Yongify. Pourquoi j'ai pas eu ça à l'époque Pourquoi j'ai pas eu ça à l'époque Mais j'ai pas d'Héraclès, moi. J'ai pas d'Héraclès. J'ai jamais touché à Héraclès. Je sais pas ce que ça vaut. <laughs> J'avoue maintenant que les forêneurs à Gartha c'est du gâteau en fait. Trop bien. Justement contre Heracles, justement, contre Megalos, je crois, je sais plus comment il s'appelle, Megalos. Justement. Donc, monsieur le Dogo, qu'est-ce qu'il fait euh, Absorption d'étoiles pendant un tour, 1200%. C'est bien parce que du coup, euh, de base, les genre, n'ont pas d'absorption d'étoiles, donc ça c'est bien. Et augmentation de défense de 40% pendant un tour. Je n'ai aucune idée de ce que foutent ces deux skills ensemble. Mais bon, bah, c'est comme ça. Soit tu le choisis pour ton. Soit tu utilises pour sa absence duel, soit tu l'utilises pour sa défense. Faut choisir. Deuxième skill augmentation de l'attaque de 30% pendant deux tours. Pourquoi c'est pas 3 Je ne sais pas. C'est comme ça. Et enfin, troisième skill. Réduit la chance d'un stack kill d'un ennemi de 50% pendant un tour, donc clairement beaucoup moins fort que Hassan hein, bien sûr, mais après là on est sur un 4 étoiles et pas un 5 étoiles. Réduit l'attaque de l'ennemi de 30% pendant un tour, un tour c'est très peu quand même, et retire tous leurs buffs par contre, ça c'est très fort, bien évidemment, c'est surtout pour ça qu'on va servir de ce skill, hein. clairement on va pas, euh, pas se cacher, c'est surtout pour retirer tous les buffs. Euh, les passifs, c'est les passifs typiques d'Avenger hein, euh, augmentation de, de charge de NP quand il se fait taper euh, mais en démérite réduit la réduit la quoi, je vais faire un truc, hop là, ça, ça part ici voilà. euh, réduit la, 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 la résistance au debuff de toute l'équipe de 10%, augmente ses dégâts crit ça tombe bien, il a un petit buff d'absorption d'étoile et augmente ses, euh, sa barre de NP de chaque tour de 3,5% et son NP du coup c'est euh, un truc dont effectivement il avait clairement bien besoin, c'est euh, du coup un single target quick de 8 coups euh, qui applique short hit pendant un tour, qui euh, du coup a une relativement faible chance d'instaquer l'ennemi, et euh, suite à son buff, du coup, euh, suite à son buff, à, se, se dote d'un 20% de crit pendant trois tours, bon, avant de faire les dégâts, ça c'est pas, pas relevant, mais voilà. En 3 tours, 20% de faire les dégâts, crit, sachant que du coup, il peut du coup enfin euh, mettre à profit ce buff d'absorption euh, d'étoiles qu'il avait avant. Et, qui, et dont il n'avait aucun buff qui s'en servait avant. Donc ça, ce, ce buff, il est clairement bienvenu. Effectivement, quand tu as Page que tu as c'est une option. Ouais 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 bah Los Bell 3 oui tu m'étonnes de toute façon moi alors moi Bell 3 je je l'ai fait avec euh, avec Gelter une Gelter support euh, <laughs> que j'ai euh, j'ai un peu boosté tout de suite parce qu'effectivement le buff bloc contre Shibongdi, euh, ça marche plutôt pas mal <laughs> ça marche plutôt pas mal en hein, vrai ouais. donc euh, donc voilà mais euh, mais oui oui effectivement quand t'as que ça en plus, lui, il, spook, il peut te spook assez souvent pour le coup, donc euh, parce qu'il les dispose dans toutes les bannières. Donc ouais, donc, ouais, bon, ça, ça se fait. Mais il a vraiment pas un skill set de ouf. Enfin, alors ça, tu t'en sers vraiment que pour son estenso, que pour retirer les buffs. Ça c'est deux tours, c'est dommage. Et ça, jusqu'à tant que t'as pas son NP, ben il peut pas utiliser le crit. Euh, enfin, il, il, ça sert à rien de crit tant que t'as pas utilisé son NP une fois moins une fois. Le coût du buff d'attaque et du buff de défense en même temps sur le même skill, le tout sur un tour, le tout sur un tour, c'est chiant. Euh, là, ces buffs-là qui durent qu'un seul tour, c'est des buffs qui ne durent qu'un seul tour, c'est pas terrible. Euh, pas de défense, pas de hard defense, pas de batterie de np, pas de support. Et en plus, il demande des os, ce, ce clébar là. Il demande des os en plus et des voids dust en plus, en plus. Donc bon, pour toutes ces raisons, moi, malheureusement, je pense que je vais devoir le mettre en C, parce que j moi, pour le coup, autant il y a des persos, quand je les sors, je suis content, autant estienne Lobo, à chaque fois que je m'en suis servi, j'étais un peu déçu. Euh, genre, jamais je m'en suis... Alors, c'est peut-être moi qui ne m'en sors pas correctement, mais jamais je me suis, sorti de... je me suis servi d'Essian Lobo en me disant, je vais passer un bon moment, tu vois <laughs> Voilà, en gros. Ensuite, euh, Young King... Euh... Très 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 récente addition à mon roster, euh, littéralement le perso que je venais d'avoir avant d'avoir Okita euh, euh, Alter. Et euh, de ce que j'en sais, et de ce que j'en ai vu, et de ce que j'en ai un peu joué dans son interlude, euh, c'est l'un des persos qui considérait aussi trash du jeu. <laughs> voilà, le seul perso qui mérite qu'on lui retire une voire deux étoiles. Concept sympa mais raté, c'est un peu ce que j'ai cru comprendre effectivement. Donc, en termes de design, euh, bon là, bon, c'est le même, il retire son haut. J'aime bien, bon, c'est pas une écharpe, mais bon, on va dire que ça compte, c'est un truc qui flotte au vent, c'est pas mal. Bon, son ascension, oh, au final, je suis pas fan fan, mais en vrai, voilà, le. le... <laughs> La grande perche, quoi. Euh, mais sinon, en vrai, son. Voilà, c'est un mec qui fait des arts martiaux, voilà. C'est classique, mais ça passe. Donc, Assassin 4 étoiles, quick, quick, quick art buster, avec, beaucoup de, avec une bonne génération d'étoiles et euh, une génération de NP pas dégueu, on va dire, même si une petite carte en plus, ça serait pas mal. Euh, alors, lui, du coup, c'est Monsieur, je manipule les étoiles, je manipule les crit, et je ne peux rien en faire, au secours. Donc, premier skill. Augmente son absorption d'étoiles de 600% et augmente son NP gain de 30% le tout pour un tour. Les étoiles, si tu crées sur une art ou sur une quick tu vas générer plein d'NP, cool, ok. Le deuxième skill, augmente sa génération d'étoiles de 29% pendant 3 tours, qui a été boosté du coup, et heureusement, qui a été boosté du coup déjà pour passer à 30%, pour, le, pour faire des chiffres, on aime bien les chiffres ronds ici. Pour augmenter surtout ses dégâts quick et ses dégâts crit de 30% pendant 3 tours. Et un buff bien évidemment nécessaire, clairement. Pour booster du coup 4, enfin 3 de ses cartes de son, de son deck et son NP. Et son troisième skill réduit sa génération d'étoiles, enfin son absorption d'étoiles de 100% pendant un tour, mais génère 20 étoiles. Euh, et là, du coup, le problème qu'on va avoir et que vous devez peut-être commencer à voir, c'est que vous avez un skill qui génère des étoiles et un skill qui, qui les fait les absorber. Problème, le skill qui génère des étoiles, c'est aussi le skill qui fait baisser votre absorption. Bon, 100% versus 600%. Mais quand même, ça veut dire que si tu veux vraiment absorber des étoiles, t'es obligé de level up ce skill. Alors bien pour contrebalancer justement le problème de viser celui-là à côté. Le truc, c'est qu'en plus. Tous ces boeufs ne durent qu'un seul tour. Enfin, ces deux boeufs d'absorption ne durent qu'un seul tour. Euh, tu es obligé d'utiliser dans en même temps. Et après tu as celui-là du coup qui effectivement fait que tu vas euh, tu vas générer beaucoup d'étoiles au final. Mais pour commencer ton combo, eh, il faut euh, c'est compliqué. Ça, ça en fait c'est bien ce qu'il a là, là le, le, il est bien quand tu as déjà quand as déjà des étoiles ou que tu veux en générer beaucoup d'un coup, euh, c'est pas mal. Notamment quand, encore une fois quand on as déjà. Et du coup pour commencer ta chaîne est presque obligé d'utiliser le, le premier et le troisième, et du coup les deux rentrent un peu en concurrence malheureusement. Mais bon. Euh, Génération d'étoiles augmentée de 6%, G cric de augmentée de 5%, euh, quick augmentée de 5% également. Donc littéralement, euh, ça c'est du 35% en fait, carrément. Et enfin, son NP, euh, du coup c'est un combo quick, c'est un NP quick single target de 11 coups qui du coup euh, réduit après les dégâts la résistance au quick de l'adversaire de 20% pendant 3 tours, qui augmente après les dégâts ses euh, dégâts crit de 50% pendant 3 tours, et qui réduit les dégâts crit de l'adversaire de 20% pendant 3 tours. Ça, euh, effectivement, c'est via le buff, hein, ça, on les, les, les deux-là on ne les avait pas avant. C'est le genre de perso, c'est l'impression qu'ils se sont dit, vas-y, il faut qu'on y mette vraiment des buffs de bâtard, parce que là, il y en a clairement besoin, et oui, clairement, il y en a clairement besoin. Euh, parce que ben sinon à part ça le pauvre lui c'est vraiment son boulot c'est vraiment il va générer des étoiles et c'est tout en fait il va générer des étoiles et c'est un peu tout ce qu'il peut faire avec euh, il peut vaguement essayer de, de se les absorber de faire un peu de crit et tout mais euh, ouais heureusement enfin ouais heureusement qu'il va avoir ceux qui qu a son buff sur son sur son MP bon, passer pour 50 de crit c'est clairement ce qu'il lui faut mais que ça suffit. Je <laughs> sais pas. À côté de ça, pas de, pas de défense, pas de batterie. Toujours pareil, pas de support. Euh... Hey. Okay. Vas-y, je le mets en dedans. M'attendez parce que vraiment, euh, euh, le fait que tu es deux, deux skills qui se télescopent, euh, c'est. C'est aussi insultantes que d'avoir... Euh, C'est presque aussi insultant que d'avoir un skill qui augmente ta force de NP alors que t'as pas un NP qui fait des dégâts quoi. <laughs> bon. Euh, allez, je pense qu'on va finir. On va faire ces trois-là, et après on va s'arrêter. On, on, on conservera les, les persos de. Euh, de euh, on va garder les persos de, de Seraph pour la prochaine fois. Arthur Pendragon Prototype. Euh, un fan favorite de ces dames. <laughs> Big Buster! C'est un peu ça. Euh, donc, déjà, c'est un chevalier, quoi, voilà. C'est le chevalier blanc, littéralement. J'ai absolument rien à dire sur son design. Il est plutôt simple. c'est oh bah, Artoria en mec, quoi. Enfin, bon, c'est Arthur, quoi. Au bout d'un moment, j'ai rien d'autre à dire, quoi, tout simplement. Euh... Donc Cyber 5 étoiles, Quick Arts, Arts Buster, Buster, je suis sûr que si je regarde, il y a les mêmes stats que, que Artorian euh, classique, je suis sûr. C'est bon, on va comparer. Bon, est certain que c'est les mêmes stats. Ça serait très drôle, si c'était le cas, je suis sûr que ça serait très drôle. Euh, 100, 200, 10, 10, 0, 84, 0, 86, 3, 3, 4, 4, 4, ok. Il a un tout petit peu plus de, euh, de génération d'attaque, mais il a un tout petit peu moins d'absorption d'étoiles. Mais en vrai, sinon, c'est kiff-kiff. <laughs> en vrai, sinon, c'est kiff-kiff. Ok. Euh, euh, donc, du coup, qu'est-ce que ça donne maintenant C'est euh, donc Wiki et Poster, Donc, c'est le même kit que, que Artoria, quasiment même stat qu'Artoria. Merde, j'ai pas regardé les attaques et défenses, mais c'est pas grave. Merde, fuck. Voilà. Euh, donc, mon skill, manabear, 50%, classique, mais très efficace. Il a un peu plus d'attaque, euh, ok, d'accord. Je pense qu'il a peut-être un petit peu moins de vie. que je regarde, que <laughs> je regarde, hop. Ouais, il a, elle, elle a il, il a plus d'attaque, mais il a beaucoup moins de vie. Enfin, il a, il a moins de vie. Ok. Euh, donc Buster 50% un tour classique mais toujours très efficace qui devient ensuite du coup Buster 50% trois tours, trois tours Big Buster et euh, NP euh, NP gain 30% pendant trois tours également euh, assez vénère aussi mais 50% Buster 3 tours c'est fort c'est très très fort quand même en hein, de rien. Ensuite euh, son instinct qui donnait 15 étoiles. Comme tous les skills Instinct a été remplacé pour donner 30 étoiles et augmenter les dégâts critiques de 50% pendant 3 tours. Big Buster. Big, big Buster, effectivement. Et enfin, son troisième skill, c'est batterie de 20% dès le niveau 1 et augmente ses dégâts contre les ennemis super larges de 100% pendant 1 tour. Super large étant, bah, du coup, tous les ennemis qui font la moitié de votre écran. Hein, clairement, tous les, quasiment tous les boss du jeu. Et euh, la plupart des gros ennemis, même des, même des ennemis d'event, hein, genre les les les, méca, les grands, les grands nubus, ça compte. Hein. Tous les ennemis qui font plus que la taille normale d'un être humain, ça passe en, ça passe en géant. Gros crit contre gros ennemis. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Débuff résistance 20%, augmentation de ses cartes quick 8%. C'est con, il a qu'une seule carte quick. Hein. On revient sur le problème des, des sabres de base. Et euh, Excalibur en X, AoE Buster 3, 3 coups. Qui fait des dégâts un peu limite par rapport à la moyenne des busters à eux qui existent. Il aurait bien besoin d'un petit euh, boost. Euh, son... Oh quoi qu'en vrai, avec tous les, les boosts qui sort, qui se fait lui-même, on en plus besoin. Et euh, avant les dégâts, du coup, so ce NP, il, il s'augmente, s'incrémente ses dégâts euh, pendant un tour. Depuis en fait, le syndrome au quitter alter, c'est quoi C'est fait moins. De si tu, pas, euh, si tu claques pas tous ces buffs, euh, il, fait des dégâts de, 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 il fait des dégâts nuls, c'est ça euh... Putain, il y a 50% de tour. Alors maintenant, la question, ça va être par rapport à Artoria Classique, que j'avais mis en A. Arth euh, Arthur, où est-ce qu'on le met Artoria Classique possède un charisma que, Arth que Arthur ne possède pas. Euh, possède du coup une... Non, la batterie là aussi. Euh, je crois que sa batterie Artoria c'est 20... 30% alors que lui c'est 20%. Euh... Lui possède une niche du coup contre les ennemis super géants que Artoria n'a pas. Euh, lui a un buster de 3 tours de 50% là où Artoria elle a plutôt... Attends, Artoria fait voir un truc vite fait. Je... rappelle moi un... Qui, euh... Truc vite fait sur ces skids là sur encore une fois les buffs post euh, post buff je mal à m'en souvenir à chaque fois ouais elle c'est 30% c'est ça euh, mais c'est 15 étoiles donc c'est moins de ce qui np50 buster ouais. 100% de damage j'ai un peu ça, ça part de np ah, les deux se valent hein. Il doit se valent, hein. limite. Ah oui, enfin, le, voilà, le truc c'est que euh, avec, son, avec son skill 2, elle outrepasse les dégâts de n'importe quel Cyber AO euh, Artoria. Euh, Artoria va faire plus de dégâts sur son NP, là où euh, Arthur va faire plus de dégâts sur ses crits. Euh, donc je vais, en, je vais le mettre au même niveau. C'est ça. La plus grosse différence, c'est la niche, du coup, c'est le, bon, le super, super large, et le fait que lui, il crit, alors qu'Arthuria, vraiment, c'est le NP, c'est le farm du NP. Donc, euh, ils n'ont pas tout à fait la même utilité, mais euh, généralement, crit contre des ennemis super larges, qui justement, notamment, bah, des fois, c'est des boss, euh, et ben, c'est plus utile parfois que d'utiliser un, un NP AOE. Le problème, c'est que dans ce cas-là, bah, autant plutôt, peut-être, utiliser un personnage qui a un NP single target. Et qui peut crit aussi, tant qu'à faire. Un genre, Lancelot, je sais pas, Lancelot Saber, j'imagine. J'avais mis où, Lancelot Saber d'ailleurs J'avais mis où J'avais mis en A. Là, il crit beaucoup plus quand même. Il crit, il crit beaucoup plus, Arthur. Oh, non, mais à plus, je pense que je vais le laisser là, hein, ouais. Oh, je pense qu'il est bien là où il est. À plus, je pense c'est pas mal. Après, je pensais qu'il hein, un peu plus d'Arthur parce que. Je sais pas qu'est-ce qu'on a eu comme buff pour l'instant chez nous, parce que là il y a une interlude et une rank up quest. Je sais pas, est-ce qu'on a eu les deux buffs chez nous ou pas là, Il me dit rien, la quête de renforcement, ça me dit rien. Je pense que je m'en serais souvenu si on l'avait eu celui-là. Bon bref, voilà. non, Je peux voir le prochain. Le 1, c'est sûr, on l'a eu, ah merde. Non, on a eu 1, c'est sûr. Euh... C'est quoi le deuxième, c'était... Lui je crois qu'on l'a eu. Lui c'est sûr on l'a eu je crois. Lui c'est sûr on l'a eu. Lui je sais pas. Le deuxième, je suis sûr on l'a eu. Lui je suis pas certain. Marquez là si je fais ça ou pas. Non, ouais, c'est ça, on l'a pas encore eu, c'est ça. Parce que là, euh... Février 2023, c'est ça. Parce que là, du coup, c'était marqué, voilà cette quête, c'était une partie de la campagne des 23 millions de téléchargements au Japon. Nous, on vient de sortir de la campagne des 20 millions. Effectivement, on l'a pas encore eu, c'est ça. Et lui, par contre, c'était la 9 campagne d'interlude du jeu. Donc, ouais. Donc effectivement, celui-là, on l'a pas encore eu. Et effectivement, une fois qu'il lui va sortir, ça va être beau. Arthur sera beaucoup plus efficace. Euh, ça, c'était l'event avec. Bah, avec Chacha, du coup. Hein, c'était euh, Nobu, Nobu. Euh, c'était lequel, Nobunaga... Naga L'event avec Chacha Il se quoi déjà dans l'event avec Chacha J'ai complètement oublié cet event. Ah oui, c'est l'event où il y avait la guerre Shinsengumi versus euh, bah, Ninobunaga du coup. Ouais, ouais, ouais. J'ai pas des souvenirs incroyables de ce de ce Gouda Gouda là. En vérité. Mais euh, je me souviens juste qu'il y avait une échelle de points. Il y avait deux échelles de points farmées, je m'en souviens. Mais euh, euh, probablement parce que le je j'en ai un peu rien à foutre. Donc c'est pour ça que ça m'a pas marqué. Par contre, Toshizo, je l'aime beaucoup. Mine Toshizo, je l'aime beaucoup. Euh, par contre, j'ai jamais compris. Ce final, ce final art. J'ai jamais compris où était sa tête, où était sa bouche. Est-ce que son épée passe au travers de, sa, de, sa, de son crâne J'ai jamais compris en fait les perspectives de, ce, de cette carte. Pas pour vous, mais euh, moi, il y, y, y a des trucs qui bizarres qui se passent là-dessus. <laughs> euh... Le gros gun, bah, gros canon ici, hein. gros, gros, gros canon ici. Euh... Donc ouais, moi j'aime bien. Euh, parce que sous en plus, hein, euh, clairement. Euh, vous l'entendez pas souvent et quand euh, elle passe, vous l'entendez très peu parce que je sais pas régler mes réglages sono sonores. Mais euh, mon alerte de raid, c'est euh, lui qui gueule sous soumet Mais euh, je crois. Oui, je crois que c'est ça. Mais euh, ça s'entend quasiment jamais. Euh... Donc, Berserker, 5 étoiles, Quick, Quick, Arts, Buster, Buster. Euh, génération étoile Inexistence, génération d'NP ouf non plus. Ah Normalement, d'expérience, je... je... Justement, à chaque fois, je... pareil, je galère un peu à charger son NP à celui-là. Skill 1, 20% d'attaque... Enfin, 20% de... Bah, les deux... Wait. Non. Merde, de quel j'ai mis J'ai mis celui-là ou j'ai mis Arwin Merde, de quel j'ai mis plus. Je crois que j'avais les deux disponibles. Je crois que j'ai les deux en réserve c'est peut-être Erwin que j'ai mis, ouais. Mais je crois que j'ai en réserve, je l'ai suis là en réserve pour euh, à côté. Mais je crois que c'est effectivement, c'est peut-être plus Erwin justement que j'ai mis parce que je crois qu'il il, il avait la musique derrière ou. Enfin, je sais pas. Je crois que c'est Erwin que j'ai mis plutôt, t'as raison. Euh, bref. 30 de, 20% de buster pendant 3 tours pour toute l'équipe et 20% de génération d'étoiles pendant 3 tours pour toute l'équipe. Donc c'est bien, c'est pas des, des modificateurs qui sont incroyables, mais c'est bien. C'est toujours ça pris. <laughs> quest me va pas arrêter pour test la <laughs> <laughs> euh, De toute façon, ça n'a rien de je vais bientôt, bientôt m'arrêter. De... fait enfin, celui-là, et chacha et je m'arrête après. Donc euh... Euh... 10 engages de base, donc hein, c'est plus de boeufs et 1500 de... de heal. Qui est devenu... Oh, putain, ça c'est utile. Euh, qui est devenu, du coup, euh, Guts. Enfin, ça, plus un Guts, du coup, pendant trois tours, qui, de... qui lui rend un point de vie et qui est stackable avec d'autres Guts. Et ça, mon Dieu, qu'il en a besoin. Parce que euh, du coup, bah déjà, son troisième skill c'est absorption étoile de 4000%. Donc euh, vous allez crit. Et augmente les dégâts crit selon le nombre de points de vie qui vous reste pendant 3 tours. Donc vous partez avec 20% de base. Et ensuite, euh, vous pouvez euh, vous pouvez euh, ajouter quasiment 80% supplémentaires selon euh, bah, votre pourcentage de points de vie restants. Non c'est lui c'est ça, sous zoomé, donc c'est euh, Donc c'est bien euh... <laughs> Donc c'est bien euh... C'est bien chiso, hein. bien ça. Merci du, 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 Dr. Chips pour le raid de une personne <laughs> Est-ce que tu as gagné tes... Ah bah non du coup, ne marche pas. Euh... Du coup c'était bien, c'était bien Chizo du coup. Toi oh, un taunt. Euh, il faudrait un taunt, je suis d'accord. Maintenant qu'il a un Guts, il peut, il peut prendre un taunt, effectivement. Maintenant qu'il a, qu a un Guts, il, peut, il pourrait avoir un taunt. Ouais, fait. Et euh, du coup, ce, ce skill lui inflige déjà 1000 points de dégâts. Il a de base 12000 points de vie, effectivement. En tant que Berserker, il se donne 5% de, de buster supplémentaire, et du coup, son NP, eh bien, c'est euh, un peu le même principe que Anne-Marie Boniride, c'est Single target buster qui, du coup, fait euh, des dégâts supplémentaires selon le nombre de euh, pourcentage de points de vie qu'il euh, qu lui reste. Et donc, à 1 PV, bon sang, ça, ça fait mal. Ça, ça tape très fort. À 1 PV, ça fait très très mal. Parce que, du coup, à 1 PV, vous doublez littéralement les dégâts. Euh, au niveau 1, 1 PV, vous doublez littéralement les dégâts de votre NP. Ça fait mal. Ça fait très très mal. À 800%. Enfin. Euh... En plus, avec l'interlude qui augmente, les, les, qui augmente les, 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 les modificateurs. Très mal. Je ne sais plus si je l'ai NP combien. Non, je crois que je l'ai que NP1 quand même, celui-là, mais. Euh... Mais ouais. Euh, donc, lui, par contre. Euh... Lui, par contre. Euh... Alors, les anne Marie, je crois que je les avais mis en B. En B lui, je vais peut-être les mettre en B, mais je vais pas le mettre plus loin. Parce que, comme j'ai dit, le problème. Euh, c'est que je galère, en fait, à, quand je m'en sers à chaque fois, je galère à charger son NP, euh, parce qu'il n'a pas de batterie. Euh, tout le but de son kit, c'est euh, eh de, de, de faire son NP avec des dégâts débiles, ou éventuellement des, des crits avec des dégâts débiles. Sauf que bah, pour son crit, il n'a il a pas vraiment moyen de générer des étoiles lui-même, donc bah, il a un peu besoin d'aide aussi à ce niveau-là. Euh... Donc, ouais. C'est bien, mais il a, petits... il a encore des petits soucis, je pense. Mais, euh, il est... mais par contre, quand il marche, il marche très très bien. NP5, double Merlin, 1PV, MLB, Black Grail. Ah oui, non, mais oui, mais forcément, là, tu... <laughs> là c'est la combo parfaite, j'ai envie de dire. Là, tu, 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 tu éclates tous les ennemis. Overcharge à 1200%, let's go. <laughs> ouais, c'est ça, tu rajoutes avec ça, tu rajoutes euh, Edison avec la, la Mystic Code qui du coup Switch, qui, qui, qui permet de switch, tu rajoutes Edison du coup qui augmente l'overcharge le 2, tu rajoutes, euh, tu fais ton Mystic Code qui augmente l'attaque. ouais quoi j'adore qu a fait aussi mal avec ça. Oh non, oui, 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 Et lui c'est un merde à coeur. Lui ne fait pas de dégâts neutres de base, un merde Oui, mais de toute façon, oui, effectivement... Euh... Un, un, un single target MP5, double Merlin. Euh, bon, vu comme ça, tout de suite, ça aide, ça aide beaucoup, hein, c'est clair. Et je pense que je vais le sens en, en B+ parce que, voilà, parce que je l'aime bien, mais pas le plus incroyable du verso. Et enfin, pour dernier perso de cette session, on va parler de Chacha. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un Welfare. Donc Welfare de euh, Levent du coup, de Gouda Gouda où elle apparaît. Bon, en tant que personnage qui fait moins d'un mètre quarante et qui a l'air d'avoir quatre ans et demi, euh, pareil, c'est pas parce que c'est Paco que je vais être plus sympa avec lui, hein, avec ce perso. Euh, donc, clairement, il dépassera pas le B. Voilà, déjà de base. <laughs> Quick Arts Arts Buster 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 pour un Berserker 4 étoiles welfare. Euh, génération d'étoiles de de inexistante, génération d'NP pas ouf. Du coup, par contre, elle a des skills pour attraper. En skill, elle a charge 10% de sa barre de NP à chaque tour pendant 3 tours et augmente son ad, son absorption de, son, sa génération de NP pendant 3 tours de 50% à chaque fois qu'elle se prend un coup. Okay. Euh, génère 10 étoiles par tour pendant 3 tours et réduit l'absorption d'étoiles de toute l'équipe pendant 3 tours de 50% pour un peu aider à, euh, à crit avec elle. Sauf que. 50% c'est pas incroyable. Et euh, 10 étoiles c'est pas ouf non plus. Et après, euh, ce skill-là qui en fait fait que vous allez baisser progressivement la défense de votre adversaire pendant 5 tours. Ce qui fait qu'au premier tour, eh bien, vous tour, vous allez baisser jusqu'à 10% la défense de l'adversaire. Au deuxième tour, elle sera baissée de 20%. Troisième tour, 30%, etc. Jusqu'au cinquième tour, 50% de défense. Euh, voilà, et après, après sa compensation de défense, ça disparaît euh, donc c'est un servant. Euh, vous voyez, en fait, tous ces tous ces, tous ces ces skills en fait sont des trucs qui se gèrent dans le temps. Donc, c'est un servant en fait qui voilà. Faut, déjà, faut tenir, faut tenir les 5 tours déjà, ce qui pour un berserker n'est pas évident. Euh, c'est un personnage qui prend du temps à, à démarrer en fait, hein, vraiment littéralement, tous ces skills là. Euh, euh, qui, qui augmente petit à petit sa barre de NP, sa génération de NP, qui génère petit à petit des étoiles, qui détecte petit à petit la barre de NP, la, la défense d'en face. C'est un servant qui prend du temps à démarrer, c'est un, un diesel en fait, voilà. Ça. Et euh, le truc c'est que, donc, génération de buster 3%, enfin, augmentation de ses busters 3%, c'est vraiment pour dire, hein, mais 3% c'est ridicule really cool quand même. Et son NP c'est un NP AOE buster de 8 coups, qui du coup. Et burn aux ennemis et réduit leur chance de crit de 20% pour 3 tours. Donc, ça, nul à chier. Ça, nul à chier. Euh, le truc, c'est que c'est un NP AAE sur un personnage qui a un defense down pour single target. Donc, nul à chier. Aucun buff d'attaque nulle part, pour soit pour son NP ou pour ses busters ou autre. Donc, nul à chier. Voilà. Et c'est pas parce que vous l'avez NP5 que euh, ça va changer quoi que ce soit. Donc, pour moi, Chacha, en plus d'être. Une, une Lily, une Loli, moi, Chacha, mais pas en D. Je m'en bats les couilles, je la mets en D, je m'en fous. Voilà. voilà On va terminer sur une note pas très positive, mais pour moi, ça ne, ça ne vaut pas plus. Pas de, défense, pas de, pas de hard defense, ni rien, pas vraiment de support, limite, elle baisse l'absorption enfin, la, d'étoiles des, des, des alliés euh, pour essayer de garder des étoiles pour elle, donc euh, limite, c'est plus un frein qu'autre chose, parce que t'as... En plus, Absorption d'étoiles personnelles ne possède aucun buff de crit. Eux. Ça passe en eux. <laughs> Ça passe en eux. Voilà. Bref, du coup, ce sera tout coup. Non, c'est un welfare. Je l'ai pas senti en... quand même. C'est un welfare. On va dire que. Donc voilà, euh, ce sera tout pour cette petite session du coup de tier list, la prochaine fois du coup on se fera les persos de euh, de Seraf, les persos de Agartha, euh, les persos de Summer, euh, la Summer Race justement, et potentiellement même on pourrait tirer jusqu'à Shimosa, et voir même Halloween, ouais après Halloween ça paraît compliqué, mais au moins voilà, au moins aller jusqu'à Shimosa peut-être, pour la prochaine fois, c'est vrai que là les persos qu'il y a là me vendent pas tous du rêve hein, clairement. Un des biens mais ouais on va commencer peut-être un peu plus remplir les, 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 les lots tiers je pense à quelques-uns d'entre eux. Oui, il y a quand même du, du, du high tiers, mais moins que ce qu'on a eu aujourd'hui, je pense. Euh, voilà, voilà. Donc ceci étant dit, ceci étant fait. <laughs> tous les servants de la summer Race. Euh, moi j'ai pas Fran. Pas Nitochris, Nitochris j'adorerais voir. J'ai pas. Non, en fait, non. En fait, non, ce sera plus simple de voir ce que j'ai. J'ai Nero, j'ai Nobu, j'ai Ishtar, mais c'était une C'était nouvelle faire. C'est tout. Nico 3. J'adorerais avoir Nitochris parce que je la trouve trop, 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 trop cute. La, la, la fin de l'ascension de Nitochris, ça, assassin, elle est. Elle est. Euh, elle est insane. Mais voilà. Là, elle, elle a décidé de pas venir me voir. C'est con. Bref, du coup, je vais sauvegarder ça. Alors attendez, faut que je sauvegarde, ça va prendre plomb à générer à chaque fois à chaque fois que je sauvegarde plus ça va plus l'image générée elle est, elle est lourde du coup forcément donc fgo tier list nous sommes du coup le 0205 2022 à compléter voilà et vu et euh, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui est-ce euh, que nous aurions quelqu'un me merde est-ce que nous avons quelqu'un à raid peut-être Tiens, go l'image qui la fin de la tier list, j'avoue. n'ai pas regardé combien il fait, là, mais pour l'instant... Euh, qui c'est qu'en live, là hum, Déjà, dans la catégorie que je suis, est-ce qu'il y a des... est il y a du FGO, FR, des fois, autre que, que... que votre serviteur A mon avis, non, bien sûr. Non. Euh, est-ce qu'il y a dans, le... dans du bitsaber, Il y a un peu de bitsaber Saber en français. Effectivement. Et dans les followers que j'ai... Pelichi Qu'est-ce qu'il a fait, Pelichi Discord. Là, pardon. Fait un peu de, fait un peu de dessin. Un peu de dessin. Bah, vous savez quoi, on est en live chill un peu. Je vous envoie ces pellicies qui fait du dessin. Voilà, ça vous, ça, ça va être chill. Ici on est, on est chill. Voilà. Hop. Toc. Red. Toc. Voilà. Euh, donc. Euh qu'est-ce que j'ai pas vu du coup la fin du stream hein. Alors, bon, là, en tout cas je crois que je suis déçu toujours pas 25k ça va venir ça va venir t'inquiète pas vous aurez des prédictions le jour J de la, le jour de la bannière euh, du dino donc je rappelle prochaine session chez moi du coup ce sera vendredi euh, soir à 20h30 à peu près on fera la découverte de l'event euh, fait très couillem euh, sur FGO du coup euh, samedi, soit fait tricouillem, soit en continue la tier list, soit rien du tout parce que je suis occupé. et dimanche, du coup, on reprendra l'aventure d'Angan Rampa, euh, avec, du coup, eh bien, les trois compères qui m'ont accompagné hier, voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite, du coup, de passer une bonne soirée, allez dire bonjour à Pellicci, donner du love à Pellicci, et euh, moi, je vous dis, du coup, à vendredi. Bye bye